C'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Bonjour. Bonjour à tous. Hello everybody. Ah là 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 là, ça fait plaisir de te retrouver, mon petit Grim. C'est vrai que je réfléchissais tout à l'heure. Je crois que c'est une des premières fois qu'on se retrouve ensemble sur un stream, genre physiquement ensemble, ouais. Pas juste interposé. Ouais, en mode à distance ou. Et que ce soit pas zen, genre. Ouais, t'as vu, ça fait bizarre. Ça fait bizarre. On est copains pour une fois. Genre là, tu veux dire, il y a pas d'invité à insulter. Arrête et tout pendant deux heures. On est. Il y a pas d'invité. Attends, mais c'est pas la première. Non, saison 1, on est habillé normalement. Saison 1, on est habillé normalement. Ouais, non, c'est pas la première fois qu'on voilà. Nous voit ensemble habillé normalement. Bonjour salut, le chat. Gars. Salut, salut. Ouais, c'est Greg. Salut les gars. Ouais, tu ça déjà. Quel message que attends, moi j'ai une question. C'est pourquoi on est habillé, on a des ceintures de karatéka. Alors en fait, je t'explique le schéma de pensée. Vu qu'on s'est dit tu as mis le tablier, genre tu as mis le kimono, et qu'en fait on est en cuisine et qu'on s'affronte, c'est comme un peu comme si on s'affrontait en. Attends, c'est vraiment pour ça. Oui. Parce que moi et je pensais. Coup, tu mets une truc de. C'était un dress code de cuisine, qu'est-ce que je ne sais pas, genre. Non, c'est pas dress code de cuisine. Je me suis dit ça faisait le petit rappel à tu as mis le kimono. Ouais, ouais. Ah, t'es en train de me dire que personne n'a compris le truc en fait. Mais frou, tu penses vraiment. Je pense que les gens se disaient juste pourquoi ils sont en tablier avec des ceintures de karatéka. Personne n'a compris le bail des ceintures, les gars. Je me suis fait chier de ouf sur cette histoire de. J'ai brainstormé de ouf sur ça par rapport à ça. Personne n'a capté le bail. Je sais pas. Bon. Du coup, Maxime, qu'est-ce qu'on fait là? Bonjour Grim. Qu'est-ce qu'on fait là? Merci à tous les amis d'être présents. C'est fou, on est debout, c'est trop bien, genre on peut bouger. J'ai t'en coller une, frère, carrément, tellement on est debout. Ouais, t'es sérieux? Non, mais je rigole. T'es sérieux? Je vais dire à. Je vais dire à qui? À Twitch. Non, mais Twitch, je rigole. Les amis, merci à tous d'être là. Ce qu'on va faire, évidemment, c'est qu'on va cuisiner. Alors, le but du jeu, je vais le rappeler très vite. Vous allez comprendre parce qu'il va y avoir un magnéto qui va vous expliquer tout ça. C'est qu'on va cuisiner avec Grim, le but étant de faire la meilleure recette possible. Celui qui gagne aura un trophée, le trophée qui est là. T'as vu, il y a un vrai trophée que tu peux mettre dans le décor et tout. Oh, c'est pour moi? Bah non, c'est pour le gagnant. Genre. Donc pour petit moi. Trophée, le tablier d'or. Le tablier d'or est à remporter ce soir. Alors, évidemment, ce n'est pas si simple que ça. Pour le remporter, il faut être le meilleur, que ce soit sur le dress code, sur le dressing. Mais les dress codes, c'est pas le maître gala, c'est, tu veux dire, sur la, la disposition du sur plat. Sur la beauté du plat. Oui. Du point de vue esthétique. Comment on dit, il y a un mot pour ça? Le dressage. Oui, le dressage. Ouais, frère, dress code, c'est des vêtements. Genre. Vous allez pouvoir parler dans les. Il y a évidemment quelqu'un qu'on va bien sûr introduire juste après, qui va venir juger effectivement sur place le plat, comment et ça oui. Se passe, la préparation, nous aider, etc. Mais vous avez votre mot à dire sur l'esthétique, sur le dressage. Vous faites à peu près partie de, je crois, 30%. Et ça. 30% de vous pourrez voter pour le meilleur. Voilà. Soyez pas influencés. C'est pas la chaîne de Maxime, donc votez pour Maxime. Non. Votez pour le. Si Maxime le sait, il est moche. Je veux des zéros, genre. Mais c'est pas physiquement. C'est, je parle du plat. Faut noter le plat. Mais je veux dire, si. Faut noter le plat, faut pas noter physiquement. Mais tu viens de dire le dressage. Le dressage du plat, pas nous. Faut pas juger non, mais, le physique, les gars. Je sais pas de juger que toi, c'était moche ou ouais, pas. Ouais, Grim, ça c'est son vrai visage. C'est qu'il parle du physique, qu'il veut rabaisser les gens. Et ça me dégoûte. Moi, je suis inclusif, les gars, tous ensemble. Et vive Twitch. Ah, je t'ai baisé, je suis en train de draguer de fou, là. Je suis en train d'échapper de fou. Tu seras pas en page, gros. Mais vive Twitch. Bravo Maxime, merci les gars, merci beaucoup. Il y a un mec qui t'a mis 0,5. celui qui a dit Maxime, t'as des cheveux blancs en majuscule avec 6 points d'interrogation, il s'appelle Tot KTT, vous me le mettez 10 minutes les gars. Non, par contre, comment il les voit à la cam? Non, mais vous lui mettez 10 minutes, il reviendra. Mais frérot, ça se voit pas à la cam. Mais je te jure, c'est de la. Non, mais parce que tu as des cheveux blancs, tu vieillis, tu es vieux. Mais si on les voit là. Non, je suis sûr, on les voit pas. Si, tu les vois un peu. Ils ont vraiment un œil. Donc, vous lui mettez 10 minutes, le gars. Hein? Merci. Tu mesures combien petit? Lui, vous lui mettez 10 minutes. Celui qui a dit petit. Petit. Tu lui mesures combien petit? En mode, je suis son fils. Vous lui mettez 10 minutes. Garçon, tu fais quelle taille? Parce que, en vrai, là, en fait, ce qui est bien, c'est que normalement, on est tout le temps assis. Là, il y a un écart. Les gars, Grim, il fait 1,90. Regardez-moi, je suis pas si petit à côté. Non, 87. Je fais 87. En vrai, je te mets une tête. C'est chaud. Tu mets pas une tête. Arrête ton zoom, Steph! Arrête! Non, mais. T'es avec moi ou t'es pas avec moi sur ce coup? Mais on est c'est ensemble! C'est dingue! Le zoom qu'il a fait! Mais... Le zoom qu'il a fait, on voit que bah la touffe, genre, Steph, on voit que le haut! Ensemble. Non, on n'est pas ensemble! Non, mais... Je fais 1m77, les gars! T'es vachement gourmand sur la taille! Je fais 1m77 et je suis pas gourmand que sur la taille, Grim! Je suis aussi gourmand tout court dans la vie de tous les jours et je vais vous le prouver aujourd'hui grâce à ce concours! Les amis, bien sûr, vous le savez maintenant, hein, ça coûte un petit peu cher hein, quand on veut vous faire ces petits lives et tout. Et heureusement qu'il y a des marques qui sont cool et qui acceptent de nous accompagner dans nos délires un petit peu crazy, un petit what peu fifou, the fuck. Un petit peu what the fuck, exactement mon petit Grim. Et regardez, c'est ici. Ah non, putain, oh là, merde, t'es nul. C'est ici. C'est Yop qui nous accompagne.
Yop qui est avec nous. Tout le monde connaît Yop, évidemment. Tout le monde connaît, tout le monde a déjà goûté. Merci à eux de nous accompagner là-dedans. On a des petits carnets, ça, que je vais te dire après à quoi ça sert. Merci à eux, en tout cas, de pouvoir nous permettre de faire cette soirée. On reviendra un petit peu plus tard, tout au long de la soirée, sur Yop, parce qu'aujourd'hui, on va pas seulement parler de Yop, on va pas seulement le boire comme ça. Non. Les Yop sont intégrés à la recette, mes amis. Et oui. Oui, regardez. C'est intégré. Vanille. Fraise. Bam. Alors après, par contre, je connais pas les recettes. Je sais pas si ça va si on va utiliser la vanille, la fraise, tout ça, je sais pas. C'est ça. Mais c'est intégré à la recette. Donc merci à eux. Merci à eux pour le coup, vraiment, qui nous permettent de réaliser ce petit live. Ça régale. Merci beaucoup. Du coup, proche tous. Ça, c'est quoi? C'est un Death Note? Arrête, écris pas mon nom. T'as écrit mon nom là? Allez, dans 40 secondes. Mais il y a 40 secondes, t'as pas lu le manga ou quoi? Je m'appelle Douglas, je t'ai baisé, je m'appelle Douglas. Donc t'as pas écrit mon vrai prénom, ça marche pas. Les amis, je vous explique un petit peu parce qu'il y a une spécificité. C'est pas juste on va cuisiner comme ça. Bah oui. C'est qu'il y a quelqu'un que je vais présenter encore une fois, je vous tease, mais que les anciens. Les vrais. Les OG, ceux qui nous suivent depuis longtemps, l'ont déjà vu avec nous. Oui, ils l'ont déjà vu avec nous. Je vais vous le présenter après. Big up à ceux qui le trouvent. Il y en a qui le connaissent. On parle de bouffe, les gars. Donc, ne commencez pas à me sortir il y a des. Il y a un mec qui écrit steak caché. Ouais. Voilà. C'est pas Ben, les gars. On parle de bouffe. Non, mais Elian. Un peu de sérieux, les gars. Ça va être dur. Xavier Pincemain, j'ai pas fait de live avec Xavier Pincemain. Ah ouais, la vidéo. Il y avait la vidéo avec Durkis. Il y en a qui trouvent. On va pas trop en dire. Mais en gros, le concept est un peu spécial. C'est-à-dire que là, cette personne qui va venir dans quelques instants nous a présenté un magnéto dans lequel il présente la recette. Nous. On a le droit qu'à le regarder une fois. On va regarder le magnéto. On va une tout fois. Noter. Là, faut on va noter. Tout noter. Les grandes infos, faut les noter. Exactement. On va les noter pendant 6 minutes. Et ensuite, bonne chance, on doit faire la recette. On n'a plus rien d'autre après. En plus, c'est assez court, les gars. Ça va aller assez vite. On a 90 minutes max pour tout faire. Du début jusqu'au dressage. Et pour une recette, ça peut être très court. Ouais. Alors là, c'est un dessert. Donc j'imagine que voilà, ça peut se faire. Il y a match. Mais tu sais que les desserts, c'est ce qu'il y a de plus dur à faire dans la cuisine. Ouais, je sais, je cuisine. Tu cuisines, toi? Tu cuisines toi, quoi, par exemple? Moi, je cuisine quoi? Ouais. Banane plantain. Je fais ça. Hein? Ouais. Ok, ouais. Je fais... Quoi d'autre? Poulet mis-girassi. Ça n'existe pas. Je fais... C'est quoi, tu bois du bisap au petit-déj aussi? Bisap au petit-déj. Mm-hmm. À loco. Pourquoi tu rigoles? C'est bizarre, Il y a un dénominateur commun, mais on dirait pas du tout que c'est vrai. Et toi, tu fais quoi en cuisine? Spaghetti bolognaise. Bah, c'est des pâtes, quoi. Donc, c'est pas. C'est... Moi, je te parle de vraies recettes toi, que je fais. Mais toi, sans commander, tu cuisines comment, toi? Mais moi, je cuisine vraiment. Mais tu sais que là, tu vas te prendre la drill. Là, tu le sais pas encore parce que tu crois que. Mais en plus, attends, mais... gros CSC de dire que je commande cool. Sans bégayer, ça donne quoi? Dorian est avec nous. Certains l'ont deviné. Oh, le bégaiement. Mon ref, comment ça va, ça va, mon frérot? Eh hey, les gars, qui se rappelle quand on avait fait le live? Les vrais OG, mets-toi bien au milieu, mon frère. Oh, les Dalton, mon gars. Écoutez, t'arrives, tu m'as éteint. C'est mérité. Qui se rappelle? No way. Eh oui, les amis. Eh oui. La seule fois où j'ai fait un live avec ce mec, c'était le pire moment de ma life. Il m'a fait cuisiner. Oh, waouh. T'as vu? Je me suis calé sur le blaze. Oh, waouh, let's go. En vrai? Ouais, non. En vrai, pas mal. Il y a un truc. Tu avais fait manger des gâteaux au Hollywood chewing gum. Tu avais fait manger délicieux. Des gâteaux au dentifrice, des gâteaux pâtés, des gâteaux au bœuf. Ouais, bœuf. L'enfer. Bouillon de bœuf. Oh. C'était bouillon de bœuf. C'était un bon souvenir. Et le pire, c'est qu'à chaque fois qu'on fait des trucs bouffe avec Grim, c'est que lui, vu qu'il a un palais de clébard, quand il bouffe des trucs genre bouillon de bœuf, pâté en croûte, au chocolat. Il est là en mode pas mal. Non mais je crois que t'as oublié le live chez Yas où tu n'as rien mangé parce que t'es un tricheur et moi j'ai tout mangé. J'ai pas un tricheur, j'avais gagné les jeux. Non, tu as triché, j'ai tout mangé. En fait, ça a traumatisé mon ventre, je peux tout manger maintenant. T'as tout mangé, je vais pas raconter ce qui s'est passé après. Je vais terminer le chat. Oui, c'est vrai, Grim a tout mangé, mais pas très longtemps si vous voulez ce que je veux dire. J'en dis pas plus. Force à la rue. Bon, évidemment, voilà, merci encore une fois à Yop. Hein. Vous pouvez retrouver bien sûr tous les Yop en supermarché, mais tout le monde connaît Yop, donc c'est même pas la peine que je dise où vous les pouvez les retrouver. C'est tellement bon. Vous le savez déjà, effectivement, vous le savez déjà. Merci à eux encore une fois. Dorian, qu'est-ce que tu nous as cook? Là, j'avoue que moi, j'ai aucune info de rien du tout. C'est ça. Aucune idée. Parce que là, le seul truc qu'on a, c'est un dessert. Lui, il est team vanille, je suis team fraise, mais le dessert. Ouais, je sais même pas si c'est dans la recette, mais j'ai aucune info là. Là, vous allez devoir cuisiner la tarte ou pâtisser la tarte de votre vie. Ok, ouais, pas de problème. Une tarte? Ouais.
Donc là, on est un magnéto, où comme ça, il va y avoir les explications, la recette, les grammages, etc. Notez, attention, bien noter les grammages. C'est pas la cuisine. Les grammages, c'est le dosage à mettre. Ouais, c'est ça. C'est de... pas. C'est les grammes, quoi. T'es con, quoi. C'est dans le mot. C'est pour être sûr. Je vais pas, pas noter la mauvaise chose. C'est quoi les kilométrages? Les kilomètres? Bah ouais, c'est la même chose. Bon, le génie qui est tout petit. Comment ça, tout petit? T'es tellement petit, tu rentres dans la lampe du génie, toi. Sans répéter ce tire. T'as bégayé, je t'ai baisé. T'as bégayé. C'était fresque. Ok, vas-y. Et donc, du coup, très important, bien noter les grammages. Je dis ça, je dis rien, mais notez-le bien. C'est pas comme la cuisine, c'est pas au talent, c'est vraiment très précis. Donc ça, bien noté. Les températures, ça, faut le noter. Mm-hmm. Et dans quel sens faut mélanger? On va pas mélanger l'œuf avec le sucre. Enfin, si, pourquoi pas. Mais ça, c'est important. Je dis pas. Les bons choix de mélange, quoi. Ouais, voilà. Ok. Je dis ça, je dis rien. Après, on va pouvoir commencer à regarder le magnéto. Sur 10. Moi, je serai là pour vous. Ah, ok, vous tu peux nous aider. Ok. Ouais. Ok. Ou pas. Sur 10, c'est difficile à combien? À quelle difficulté tu mettrais? Par rapport à moi ou par rapport à vous? Par rapport à nous. Mais après, tu connais pas notre niveau. Mais Maxime, non, notre niveau, il est haut. Mais frère, moi, mon niveau, il est lourd de fou. Moi, je vais t'éteindre ça, ce soir. Mais t'as déjà fait des desserts, des pâtisseries? J'ai déjà fait de la quiche. Mm-hmm. La quiche, j'ai déjà fait de la quiche et je fais moi-même la pâte sablée. Donc à partir de là, je peux tout faire. Bah, en vrai, c'est un bon début. Et j'ai déjà fait de la confiture de framboise. Bah voilà. Si tu taperas des framboises, tu les écrases. Comme le yop framboise! Oh, le yop fraise, comme mon tablier. Ouais, mais du coup, ça n'a rien à voir parce que moi, j'ai pas fait confiture à la fraise. C'est ça le problème. Bah, tu pourras en faire peut-être. Ça semble pas obligé de dire des trucs comme ça. Vas-y, vas-y, vas-y. Ok, vas-y, on y va. Donc là, c'est le moment où on regarde le magnéto? Ouais, c'est ça. Donc, je pense qu'en vrai, niveau difficulté, c'est 5 sur 10. Ah, oh putain, ah ouais. Attends. Alors, pour recontextualiser un petit peu la recette, on va réaliser une pâtisserie simple et rapide avec du yop. Ouais, avec du yop à la vanille d'ailleurs. Donc, on va commencer par réaliser un sablé breton, beurre, jaune, sucre et farine, tout ce qu'il y a de plus simple. À côté de ça, on va réaliser notre ganache montée à la vanille, du yop, de la crème et du chocolat. On mélange, on fait monter et on va venir pocher avec une petite poche à douille. On laissera écouter votre côté créatif. C'est bien les grammages. Je sais qu'on n'a pas, donc c'est nickel. Ouais. Ensuite, la fraise, pareil, on les coupe en rond, en carré, en cube. Puis voilà, après il y aura la dégustation, attention, je vais être pointilleux. Mais ça, alors, c'est trop une fois que Maxime t'a réussi à retirer le blanc des jaunes, on vient ajouter tout le sucre. Et on vient fouetter directement. Hop. On mélange bien. Le but, c'est que ça blanchisse. C'est la levure, la farine. Oh. Hop. Le beurre, très important, faut qu'il soit pommade. Sinon, en vrai, c'est pas terrible. Hop. On mélange bien. On obtient un mélange bien homogène et bien lisse. Si c'est tranché, bah c'est tant pis pour vous. Et au pire des cas, la petite astuce, c'est un petit coup au micro-ondes, 5 secondes, histoire juste de chauffer et que le beurre ramollisse un petit peu, quoi. Donc ce que je fais. Hop, on met la farine sur ton travail, on fait une sorte de petit puits. Farine, et on verse le tout au milieu. Je suis mort. Alors, là, le but, c'est de s'en mettre le plus partout. Voilà. Pas trop mélanger, parce que plus vous allez mélanger, moins ça va être friable, moins ça va être bon. On obtient une petite pâte. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on racle le tout. Je sais pas écrire. On le met bien dans notre petit ramequin. Ça a le coupure, là ? Direction le frigo pendant au moins une bonne petite demi-heure. Et si vous n'avez pas le temps, 10 minutes au congèle, ça fait le taf aussi. 30 minutes frigo. Oh bah, c'est mort, on va attaquer la petite ganache montée à la vanille. Ouf. Ce que j'ai fait, c'est qu'on prend les feuilles de gélatine. Mais non, je t'ai coupé. Alors, qu'on recontextualise un petit peu la recette, on va réaliser une pâtisserie simple et rapide. C'est reparti du début. Ouais, avec du yop à la vanille. Mais c'est reparti du début, tant mieux. Donne les grammages. Quoi? Il a cramé. Chocolat blanc, je prends un petit peu. Mais manque une info. Hop. Et je vais mixer tout ça. Mais on a pas les grammages. C'est quoi ce bordel? Là, notre gélatine est bien. Gélatine. Ouais, elle est bien imbibée là. On va pouvoir l'ajouter. Hop. Hein? Nickel. Mais c'est mort, allez. On est bon. Et c'est le moment où on ajoute le petit hop. Yop. Et. Faut bien. Hop, c'est bon. Pour la route, moi je vous mets un peu de crème. Hop, plus crème. Voilà, nickel. Et tu froufrou là, je sais pas comment ça s'appelle. Ouais. Mix. Hop, au frais. Si vous n'avez pas le temps, toujours, la technique congèle, ça fonctionne super. Au frais ou congèle? Alors là, c'est le moment le plus important de la recette, c'est beurrer le moule. On l'a fait un peu chauffer. Beurrer le moule. Et on prend le beurre, et là on étale bien. Ça c'est du moule bien beurré. Ok. Petit ganache. Pâte. Alors, les ingrédients là, moment fatidique, on va venir étaler notre petit sablé breton. On prend un petit peu de farine. On n'hésite pas, farine on en met par terre. Sur la table. Farine par terre. On va venir du coup l'étaler. En rouleau, c'est mieux. Et là, le but, c'est de l'étaler à peu près à 5 mm. On n'hésite pas sur la farine, faut pas que ça colle.
Voilà. 5 mm. Donc là, on est bon, on a la bonne épaisseur, on prend notre fameux cercle qu'on a doré juste avant et on vient l'emprunter. Merci pour le raid de Spet. On est pour la plaque, regarde le four, 60 degrés pendant à peu près une minute. Merci pour la mesquelette, gros. Hop, on vérifie la cuisson. Attends, il a cuit combien de temps? On l'a vérifié. 60 degrés. On met le doigt dedans. Mais c'est pas grave, je ne touche pas toi. Donc direction le congèle tout de suite. Donc là, notre crème a bien refroidi. Vous voyez, elle se tient nickel. Ah, oh, ça a l'air trop bon. Vérification. J'ai jamais réussi à faire ça. Oh. C'est ok. On prend le petit fouet et il n'y a plus qu'à la monter. Et donc là, on fouette jusqu'à ce que ce soit bien solide. Soit bien monté en fait. Là, vous voyez, c'est assez liquide. Waouh, 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 waouh. C'est bien liquide. Donc c'est pas assez monté. Ça coule. Ça fait monté. Des petits fils, donc c'est pas assez monté. Il faut vraiment que ça fasse une mais sorte en plus, de petit bec d'oiseau mais... en fait. Mais là, je passe plus de temps à expliquer comment on monte à tout en neige. Les gars. Voilà, donc là la crème est bien montée, on a un joli bec, elle est bien lisse. Mais on a que 90 minutes pour faire ça, frère. On se munit de notre petite poche à douille, de manière à pouvoir garnir et commencer le décor. À douille, connard. Là, très important, on va venir découper le bout de notre poche à douille. Ça, je connais, ça, je sais faire. Un peu en biais. Ah, je suis foutu. Et un trait droit. Un peu en biais. En biais. Pochage. On met un petit peu de crème tout autour, ainsi qu'au milieu. Après là, c'est comme vous voulez. Et là, on va venir. Moi, j'ai donné ça comme indication. Et là, mais c'est le talent. Ok. Les mettre tout au bout. Toutes les fraises sont autour. Okay, et attention, c'est là que ça va commencer à se gâter. Le moment. C'est toi le gâté. De la décoration. Crème. Main gauche qui prend et qui dirige. Fraise à côté. Et main droite qui appuie. On appuie. Ah, et c'est on tire. Trop beau. On appuie. On tire. On appuie. On tire. Et on met du coup de la crème sur on chaque plat. Hop. Et hop. Une fois que c'est fait, on fait pareil. Mais au milieu. Et ensuite, après, il n'y a plus qu'à garnir en quinconce. Dès qu'il y a un petit trou, hop, voilà. Petit moment de présentation, on met un tout petit peu de jus de fraise et on vient. Easy, on le sort tout, jus de fraise. Il est sorti. Artistique, quoi. Ou sinon, tu le pisses, gros. Bout, on vient prendre la cuillère et là. Jus de fraise. Et maintenant, plus qu'à déguster. Flash, jus de fraise. Mais et voilà le jus de fraise. De ma petite tarte vanille fraise. Je vous encourage à réaliser mieux que moi. C'est pas une compétition, mais je pense que la mienne est meilleure. Mais voilà, bon courage à vous. Montage. Je suis mort. Mais frère, vous avez laissé les grammages 10 secondes. Non, en vrai, pour leur défense, la recette de la ganache, je l'ai même pas vue, moi. Elle est même pas affichée. Ah, mais, on est d'accord. Oui, oui, mais c'est fait exprès. C'est sûr, c'est le montage, c'est fait exprès. Ah, mais c'est sûr, mec, c'est un live. Ils veulent du content, ils veulent qu'on rate la recette. Il y a des magouilles. Frère, j'ai 150 grammes flouche. Je sais pas ce que j'ai écrit. Regarde, je comprends un mot sur deux. Un hecto, pomme de terre. Non, mais vas-y, toi, t'es trompé de repas, gros. Fraise. J'ai écrit fraise en mode t'allais m'aider. Fraise. Ah, c'est bien. Non, en vrai, fraise, quantité suffisante. C'est le talent. Ok, il y a un passage qui a sauté dans le magnéto. Est-ce que tu peux repasser? Si jamais, sélectionne-le, repasse le mais moment juste qu'à sauter. T'es sûr? C'est pas fait exprès? Non, on me dit dans la régie, il y a un passage qui a sauté. Si tu peux passer que le moment qu'a sauté, même après, ça me va. Mais repasse pas tout, tant pis. Ouais. Tant pis. Non, parce que non, faut jouer le beau jeu quand même. Un hecto pomme de terre. Non, hectogramme. Ok, on a le moment qu'a sauté, ok. Ok, mais faut pas y dire de quoi que... Alors, pas l'iop, parce que si on met l'iop à chauffer, ça va cailler, hop. Ça, dès que ça bouge, mais frère, ça bouge trop vite bien chaud, pendant au moins une bonne petite demi-heure. Et si vous n'avez pas le temps, 10 minutes au congèle, ça fait le taf aussi. Attends. Eh. Ouais, ah, c'est cette partie-là qui manque. Ok. On va attaquer la non, petite gâche. Non, on l'a pas vu, regarde. Vanille. Donc ce que j'ai fait, c'est qu'on prend les feuilles de gélatine, on les met à tremper dans de l'eau froide, très important. Hein, sinon de l'eau chaude, ça va les faire fondre. Nickel. À côté de ça, on fait chauffer notre crème, uniquement notre crème. Pas l'iop, parce que si on met l'iop à chauffer, ça va cailler, hop. Ça, dès que ça boue, David ou du moins dès que c'est bien chaud, je pense pas, on verse hein. Son okay. Chocolat blanc, qui est juste là. Hop, vu que la crème est chaude, ça va faire fondre notre chocolat blanc. Je prends un petit mixeur plongeant, hop, et je vais mixer tout ça. Oh. Mais ils ont mis le bruit de colloque, je suis d'accord. Ok, mais ça on a vu après. Là, ok, c'est bon, merci. Bien... Attends, par contre, il y a un truc, est-ce que c'est moi qui ai un de QI et franchement j'accepte, ou soit personne n'utilise hectogramme? Oui, par contre, hectogramme, c'est une dose. Non, là, tu te branches, chef. C'est une dose ridicule. Hectogramme. C'est à vous de faire un tableau et de faire la conversion. Mais je vais convertir. Parce qu'elle dit kilomètre, mètre, décamètre, hectomètre. Bah là, tu fais la même. Hectogramme, hectogramme. Parce que hectogramme. Micro, c'est puissance moins 6. Nitro, c'est quand tu vas vite. Non, nitro, c'est quand tu payes 5 euros sur Twitch. Ça. Ah putain. Ou sur Discord. Mais je comprends. Ok. Bon, écoute, on est parti ou on n'est pas parti? De toute façon, sablé breton.
sablé breton. Il faut faire un sablé breton, ensuite il faut faire... Un sablé breton ? Une ganache, et ensuite il faut faire une pâte. Attends, quoi ? Non ! Qu'est-ce que tu racontes ? Non, il y a un sablé breton et une crème de ganache, et voilà. Nickel. Et après, le dressage. Ben ouais, non mais le dressage, c'est avec la crème de ganache, gros. Mais t'écoutes pas, ou quoi ? C'est lui le chef, hein. Mais t'écoutes pas, ou quoi ? Chef de quoi, toi ? Chef en personne. Chef des Yakuza. C'est un mourail, frère. Mais t'es sérieux, quoi ? Avec toi, avec... Un hectogramme de sucre, un décagramme de sucre. Mais toi d'accord, mon frère. Oh putain, oh, je suis foutu. Mais quoi, moi j'ai écrit beurre sucre. Toi t'as mis un décagramme. Ah ok, putain, il y a un truc, c'est beurre et un truc, c'est sucre. Oh, je suis foutu. Qu'est-ce qu'il faut le plus ? De toute façon, maintenant c'est parti, on y va. Hein. Lancez le... Quand vous lancez le top, on y va. Dorian. Ouais. Vous voulez que je fasse le décompte ? Ouais, vas-y, fais le décompte. Fais le décompte. Vous savez où tout se trouve ? Alors. Oui, oui. Là, il y a les couverts. Ouais. Là, il y a les... Et non, juste le plus important. Couverts. Ah, Grim, viens voir ce qu'il y a là. Il y a les crampes T. T'as pas kiffé, la vanne ? Si. Ah, t'as kiffé ? Non. Ouais, ça, il faut ça. Là, il y a les culs de poule. Les culs de poule, ouais. Culs de poule ? Ouais. Je sais pas c'est quoi. Parce qu'il a dit tout à l'heure, j'ai juste qu'il a dit tout à l'heure, mais je sais pas c'est quoi. Là, il y a les saladiers et tout. Saladier, là, il y a les couverts. Poche à douille, c'est là, on m'a dit. Attends, pourquoi il y a des kiwis ? Pourquoi il y a des bananes, du coup ? C'est la surprise. Oh putain. On verra après. Il y a des mangues. Là, il y a des balances et tout. C'est bien pour bah, la mesure, les poids, tout ça. Aïe ! Aïe ! Tu m'as coincé le doigt, enculé. Non, pas de gros mots. T'as dit en quoi ? En flûre ? Oui. Ok. Là, il y a le papier. Il y a le sac à. Le sac. Poche à douille. Poche à douille, merci. Sac à douille. Poche à douille. Film fraîcheur. Aluminium. Il y a tout. Filet de pêche. On sait jamais. Peut-être s'il y a pêche à la ligne dans le peut-être, coin. Peut-être. Hé, grippe plus jeune, le poisson. T'es chaud. J'ai un baiser, non ? Où tu as acheté tout ça, gros ? Ouais. Bon, ben. On est prêt. C'est maintenant. On voit le chrono, chef. Allez, c'est parti. 3, 2, 1, go ! Ok, attends. Non, mais. Putain, mais viens, on fait les recettes là. Ouais, bah oui, bah on fait les recettes. Il est malin lui. Comment on faut fait commencer les par le commencement. Faut commencer par le début, c'est-à-dire pâte. La pâte. Ouais, qu'est-ce c'est ça. Mais avant la pâte. Avant la pâte, se laver les mains. Oui, plus un. Bravo. Mettez-lui un plus un. Notez. Me lave les mains avant toi. Oh. Mais t'avais pas mis de savon. Ah. Ok, alors la pâte, sablé coton. Tu t'es même pas bien lavé les mains, gros dégueulasse. Eh, parle pas avec moi, frère. Beurre, sucre, c'est très simple, je vais te le prendre direct. Hop, il faut commencer par juste avoir du beurre et du sucre. C'est la base de la cuisine. Ça, je t'apprends pas. Ouais, là. Mais si t'as des questions à me poser, t'hésite pas. Okay. Si t'as besoin d'un mais par contre, c'est mon côté, t'as pas le droit de piocher ici, gros. Enfin, c'est le côté à tout le monde ici. Hop. Enfin, du coup. Il y a trop de couteaux. Attends. Fallait 150 grammes de sucre, frère. J'en suis sûr. Prends la bonne, il y en a une qui fonctionne pas. Attends, saladier. Hop. Allez, chacun sa balance. Merci. Nickel. Voilà. Tout va bien comme ça. Ok, farine. Hop. Attends, okay. Mais il y a déjà 400 grammes sur ma balance. Attends, faut que je reviens à zéro, frère, c'est pas normal. Attends, 150. Nanana. Sucre. On revient à zéro. Oh non. Il manque trop d'infos, gros. Grim, il y a 400 grammes sur ma balance. Mais bah, remets-la à zéro. Tard. Même si t'appuies pas sur zéro, ouais, ça va pas aider, hein. Ok. Je comprends rien ce que t'es. Et là, tu retards. Frère, je suis sûr, t'as écrit en hiéroglyphe, okay, mais. Ok, j'ai capté. Gros, t'as écrit en hiéroglyphe, je sais pas comment les gens comprennent ce que t'as écrit, genre. Je sais pas. Mais y'a que moi qui dois comprendre. Mais c'est à moi la farine, qu'est-ce que tu fais ? Mais d'où c'est à toi, mais il a cru que c'était la cuisine à sa daronne celui-là. Là, je te fous 150 grammes de farine, je suis quasi sûr que c'est ça. Déjà. Pour commencer. Du coup, tu me donnes les infos. Enfin, je l'avais celle-là aussi, mais tu me donnes les infos, là, fais attention. T'es en galère. Non, moi j'ai les infos, mais il a la farine. Ah, c'est ça le problème. Ouais, tous, ouais. Attends, c'est où le sucre ? Ah, mais il y a tout ça de pot de sucre. Hop, évidemment, les amis, aucun gaspillage ne sera fait. Hein. On va de toute façon, on mange tout ce qu'on fait, normal. On va tout graille, bien sûr. Mais de toute façon, mais toi, tu doutes du repas ? Bah, je l'avoue que j'ai des doutes, j'ai des petits doutes là. Tu as donné une balance qui a plus de batterie ? Non, mais n'importe quoi. Un hectogramme de farine. Ensuite, là, maintenant, il faut... Mais elle a pas de batterie, tricheur ! Ah ouais ? Donne la tienne. Attends, je suis en calcul, là, malheureusement. Mais t'as 149, là, c'est bon !
Blanc et jaune, c'est pas. Vas-y, allez, vas-y. Allez, c'est ouais, bon, c'est là, bon. Prends là. Tricheur. Ah, il n'y en a qu'une. Alors, attends, il faut du beurre, mais le beurre, il fallait qu'il soit en béchamel. Il fallait que le beurre, il soit en pas en béchamel. Il fallait qu'il soit en crémé. Il fallait qu'il soit en pommade. Il fallait que le beurre, il soit en pommade. Donc, ouais, ça, je connais. Maintenant, quantité de beurre. Le chat, vous direz combien ? Moi j'ai la réponse, mais vous mettez combien de grammes de beurre ? T'es en train de tricher là, arrête ça ! Mais non ! Mais attends, mais gros, ça fait déjà 4 minutes ! Bah c'est rien, on est large. Le chat, vous mettez combien de beurre, vous ? 90 minutes. Hein. Moi je mettrais... Moi je sais, mais c'est pour pas dire à Grimm. Dites plein de chiffres différents, j'en supplie, c'est un tricheur, dites plein de chiffres différents, les dépôts. Bah ils ont 16 tonnes, donc... En vrai, c'est jouable, hein ! Moi je pense que la pâte sablée... Ouais. Autant de quantité que d'un que d'autres. Je t'en dis pas plus. Non, c'est 349. En vrai, ouais. Mais il me faut un bol en métal. Un hecto. En gros, attends. Fais un tableau. Ok, un tableau. C'est quoi hecto C'est quoi hecto C'est 8 kilomètres. Enfin, kilogramme du coup. Kilogramme. Mètre. Gramme. Et. Ah, je sais. Et centimètres. Centimètres. Je sais. Dis pas, c'est bon. Et t'as vu après. Kilomètre. 1 ouais. Kilomètre. Et du coup en fait ta recette tu fais 900 km de beurre, 100 km de sucre. Attends, hectogramme, faut du beurre ou du sucre en hectogramme? Essaye. Même moi il m'a embrouillé. Moi je sais pas. 1 km c'est 10 mètres. En centimètres, 1 mètre c'est 100, c'est fois 100. Donc là tu rajoutes. On se fout du. Oh, c'est en beurre. Donc là t'es là. Mais arrête de faire le mathématicien, c'est bon. Égal. Toi, ça se voit, tu vas y aller en haut talent. Mais parce que moi, je sais c'est quoi un hectogramme, je me suis rappelé. Moi, je suis allé à l'école il n'y a pas très longtemps. Un kilomètre, c'est 100 000 centimètres. Non. Mais qu'est-ce que tu racontes, un kilomètre, c'est 100 000 centimètres. Maintenant, par rapport au sucre. Un hectogramme. 100 000 grammes de sucre. Mec, ça me paraît gargantuesque quand même. Ça paraît beaucoup, ouais. C'est énorme. Décagramme. Franchement, c'est ça, hein. Vas-y, bah mec, va chercher du sucre, hein. Là, t'en as pas assez ici. 1 kilomètre, c'est 45 kilos. Non. Attends, mais 57 kilos de beurre. Hop. Non, en vrai, est-ce que vous voulez que je vous aide? Non. Non, t'inquiète. Non, non, okay. Et confiance, non. Non. Moi, c'est bon, moi j'ai le mojo, j'ai pas. Bah, non, mais arrête, m'arrête, non, mais non, mais non. Non, mais mec, c'est de la triche. Ça y est, frère, c'est de la triche de quoi? Déjà, tu me prends ma balance. J'ai rien dit. Mais tiens, tu me prends mon beurre. Mais mec, j'ai pas fini le dosage. Tu la gardes une heure et demie, t'as. T'es un malade ou quoi? Non, mais je dois faire à vue d'œil, c'est le tricheur, c'est un truc de ouf de faire ça. Arrête! Oh! Oh le fou. Comment il a calculé? Mais t'as pris tout le. Mais. Moi j'ai besoin de ça. Okay, mais... oh là. Tiens, je te rends. Compas dans l'œil. Compas dans l'œil. Y a pas de souci. Non, ça c'est à moi. Alors attends, vas-y. Ça c'est la farine à mettre là-bas. Hop, alors attends. Il me faut du sucre. Hop. Mais tu joues à quoi? Vas-y, le temps que tu cherches. Hop. Moi je sais exactement combien il me faut. 150 grammes de sucre. J'en suis sûr. Non, 100 grammes. 100 grammes de sucre. Ouais. On est corda. Et toi de ton côté, Grimm, ça se passe comment? Ça va, bah là j'ai pris la bonne dose de beurre, là j'attends qu'il finisse et je peux mettre la dose de sucre quoi. Mais bon. Ouais, c'était la galère avec les balances. T'as la bonne dose? Hop. Là? Moi j'ai la bonne dose en tout cas. Et moi aussi j'ai la bonne dose, regarde. Hop. Moi je suis quasi sûr de ce que je fais là. Attends, 10 déca, ok. Bah, c'est bon, mais c'est facile en fait, j'ai capté. T'as noté la bonne recette. Ok, alors... Ah. le beurre en pommade. Ouais. Non, il y en a trop. Le beurre en pommade, je sais comment ça marche. Je vais te le foutre un peu. Cherche le micro-ondes. Oui. Ça veut dire qu'il faut l'utiliser. Let's go. Mais en vite fait, hein, doucement. En vite fait. Après, je t'inquiète. Pas hein. Ouais. Je connais. Microwave. Reste devant. Te fais pas avoir. Ok. Nickel. Là, je suis bien normalement. Les gars, c'est pour un dosage parfait. Ayez confiance. Ouais. Parce que c'est bon. Ah. C'est bon. je croyais qu'il disait c'est bon pour vous, c'est bon. Et moi je disais oui, c'est bon pour vous. Alors qu'en fait il me disait arrête. Attends, Maxime, tu peux t'égarder s'il te plaît. Moi aussi, comme par hasard, j'ai aussi besoin du micro-ondes. Qu'est-ce que tu fais? Genre là, il va être mou à cœur, je pense. Ah, il va être mou à cœur là, il est parfait, je pense. Il va être nickel. Je pense qu'il est parfait. Comment tu l'as fait rentrer? En pétant. C'est marrant. Bien ça. Ouais. Hop. Après, moi je l'ai pas fait avec le fouet. Hein. Je l'ai fait avec la main.
Moi aussi, je l'ai fait avec la main. Ah ouais, faut le faire avec la main. Ah ouais, faut le faire avec la main. Voilà, voilà, et comme ça, tu le réchauffes un peu, tu vois. Oh ah, faire avec la main. Bah attends, j'enlève ma bague alors. Ah mais arrête, mais mec, c'est ce que tu as mangé. J'aime pas. Quoi? C'est plutôt pas mal. C'est plutôt... Ouais, pas plus. Mais c'est, j'ai c'est perdu cool. La moitié du beurre. Ok. Oh, c'est bien. Ok, maintenant, okay, c'est parfait. Le moment où je mélange tout. Ouais. Et après, il faut que je mette le bleu. Mais oublie pas le bluff. Un peu plus. Un peu plus. Oh. Il y a trop de beurre. C'est genre la combat, tu vois. Il y a trop de beurre. Oh, puis c'est chiant, la grammage. Il n'y a pas assez du tout. Ouais. Ok. Après, mon Grim, tu te rappelles comment il faut d'œufs? Moi, oui. Qu'est-ce que tu racontes? Tu te rappelles comment il faut d'œufs? Il faut séparer le blanc des jaunes. Mais on a des œufs? Bah ouais, frère. Ils sont où? Devant toi. Mec, le beurre, c'est trop dur à enlever. Tu fais quoi avec le beurre? Je sais pas, j'attendais qu'il soit pommade, genre. Ah. Il est pommade, là. Let's go. Ouais, let's go, ouais. Let's go, mon ouais. frère. Attends, ma recette. Oh, ok. Ta. Je suis en train de te cook un truc, mon Grim. T'aimes bien okay, les morceaux bon. De beurre? Moi, j'aime bien quand il y a des morceaux de beurre dans la pâte. Tu sais, en mode solide un peu. Mmh. Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est la gourmandise. Ah, c'est gourmand. Après tout. C'est gourmand. Ah, mais c'est pas mon pot de sucre, ça. c'est celui de qui alors? Mais c'est le pot général, mais j'ai failli faire une dinguerie. Ça, c'est mon sucre. Ah, ok. Attends, okay. Non, attends, c'est pas mais il y a beaucoup de sucre là. Non, excusez-moi, ce que j'allais dire, ça, c'est mon sucre. Et voilà. Hop. T'as vu, je t'aide. Non, mais j'ai remarqué tout seul. Ok, bon, par contre, séparer le jaune. Non, mais j'ai mis tout le blanc. Mais c'est. Attends, mais faut mettre le jaune. Bah oui, merci. Mais non, faut mettre le blanc. Mais non, faut mettre le blanc, Grim. Non, faut mettre le jaune. Mais non, parce que c'est en mode crème. La crème, elle est... Il faut mettre le jaune. Faut mettre le blanc. Je suis quasi sûr, faut mettre le blanc. Tu me dis... Merci. Mais frère, dans une crème, tu mets le blanc de l'œuf, tu mets pas le jaune. Il est pas cassé, hein. Bah ouais, le blanc, il est... Hop, on le voit à la caméra. Oh. Mais pourquoi tu mets le jaune? Il faut mettre le blanc. Oh, mais il y a tout le... Mais du coup, il y a quand même le blanc. Mais... Il y en a un chouïa. Une larme, un soupçon. Allez. Ok, bon, je pense... C'est quoi? J'ai pas eu le temps de noter le dosage, mais je pense un deuxième jaune d'œuf, c'est jamais trop. Moi, je vais t'en envoyer 3 ou 4, je pense. Tu sais que ça fait que depuis peu que je mange des œufs, donc c'est cool parce pareil. Que... Top. Non, j'ai dit top là, mais t'as vraiment les... Ah non, bah, vraiment pas. T'as plein, mon frère. Attends. T'as plein, mon frère. Ah, je suis content d'avoir checké, mec. Moi aussi, mon gars. Toi, t'as une façon un peu particulière de... Ah si, ça fait récemment je coupe des œufs, ah donc ouais. Séparer le jaune du blanc, je galère. Non mais en vrai, le résultat est là. Hein. Regarde comment je te l'ai fait, moi. Oh. Hop. Alors là, la question c'est, est-ce alors que je suis gourmand? Et je suis gourmand, j'en fais un troisième ou pas? C'est dans la poche. C'est in the pocket, mon pote, jaune y a aucun avec problème. Un mélange. Hop. Mais en fait, il y a un bail qui est bizarre dans ma pâte, c'est que ça fait pas une pâte. Ça fait juste un grumeau. Oh. Ouh, failli casser. Heureusement. Ah putain. Ok, deux. Hop. Attends, est-ce qu'ils ont donné pile assez? C'est bien, elle est sablée, ça veut dire elle va être croustillante. C'est vrai, hein? Ouais, si c'est trop mélangé, attends, ça va faire un truc béton et on va se casser une dent. Attends, t'as mis des coquilles d'œufs dans le beurre, mais ça va pas ou quoi? Non. Ah, c'est pour ça? Non, mais non. Ah. Mais pas du tout. Parce que je veux que ce soit croustillant, mais okay, pas... Bon, je vais mettre le beurre là-dedans. Je mettrai le beurre plus tard. Ouais. Ouais. Oh, ça me sent... Mon petit doigt me dit que c'est mieux. Tu veux un torchon? T'inquiète, j'en ai un à côté. Ah, ok. Oh. Non, mais toi, Maxime, c'est foutu. Franchement, Maxime, pareil avec tes mains comme ça, là. C'est... Mais t'es un baiser, hein. C'est trop bien ce que je fais, là, hein, je pense. Ouais. Ouais, bah ouais, franchement. En vrai. Tu veux un fouet ou pas? Il y en a deux, là. Ouais, je t'en ai pas. Ouais. Tiens, celui-là, il est stylé. Tiens, prends celui-là. Ouais, toi, t'as une boule dedans. Hop. Oh. Ça le chat, vous êtes chaud quoi? Frère, c'est impossible que ça soit normal ce que j'ai fait. Je vois bien qu'il y a un problème dans mon sujet. Avec la main, on a dit. On a dit ça? Bah après, c'est pour toi, hein, tu vas galérer. Après... T'as raison, je vais le faire avec la main.
te dis ça, c'est pour ton bien. C'est pas pour moi. Hein. J'ai l'impression que ma prof d'SVT. Ok, il y a quelque chose là. Il y a quelque chose. Et toi, Maxime, il y a quoi? Il y a rien. Mais toi, c'est super liquide ton truc. Mais normal, c'est une base, faut bien commencer quelque part. Mais c'est une. Mais toi, en gros, t'as fait une pâte à caca direct, gros, t'as pas compris quoi. C'est une pâte sablée. C'est mal barré, mais non, c'est. Chat, c'est... comment on bat l'œuf? Comment suivant, le chat, il tient l'œuf. Le chat s'actualise pas. Je sais pas comment on fait. Ah merde. Attends. Bah, fais refresh. Refresh, hop. Ou peut-être t'as pas du beurre, hein. Peut-être on est quoi? On est 15 là. Trop bas. On est peut-être 15 30, hein. T'es trop beau. Ça, c'est la première fois que j'ai un mec écrire ça. Merci, m'a dit 974. Embrasse Fantasio pour moi. T'as pas l'impression qu'il manque quelque chose, Grim? Bah, les crampetés. C'est fou ce que je me disais, tu vois, c'est vrai que... La farine, hein. Non, non, non. Qu'est-ce que j'ai dans la poche? Une petite... Ah oui, ah oui, je suis d'accord. Ah oui, oui, sinon, oui. Sinon, tu mets les cheveux... Ah oui, oui, non, oui. Non, mais non, c'est vrai, non, c'est vrai. Non, non, mais non, c'est vrai, non. Sinon, t'as les cheveux qui vont traîner, c'est pas hygiénique. Non, mais c'est pas hygiénique, sinon. Ça va être très bien, mais ça tient pas, ça tient pas. Je suis d'accord avec toi, Max. Quoi? C'est pas hygiénique. Non, mais ah, moi j'ai oui. pas les cheveux longs comme ça. Oh le béret. Alain Delon. Dirais bébé Jacques. Toi t'aimes trop. Ça a failli tomber. Ça c'est des points moins normalement. Non, non, mais c'est pas tombé dedans. Sans vouloir influencer. Eh hey, les gars, attends, est-ce qu'on peut faire. Eh hey, Steph, regarde, en vrai de vrai, la vie de ma mère. Oh mais une vraie non, j'ai trouvé la Charlotte, je suis désolé, j'ai trouvé la Charlotte. Je suis vraiment en train de faire une vraie pâte sablée. Et genre, alors, sur ton image ça fait chelou, j'avoue. Mais regarde un peu là, c'est vraiment une pâte sablée. Genre, elle est peut-être pas assez bien mélangée. Alors, elle est un peu collante, mais je crois que je suis pas dégueu. Ta-ta-ta, pas trop, la farine, blanc et jaune. Mais ça, je vais le mettre quand? Je comprends pas. Il manque une info, ça me rend fou. Farine prout. Regarde. Non, par contre, je te jure que tu ne sais pas écrire. Il y a farine prout. Brune, pomme de terre, blanc et jaune, stoplet, Bambi. Genre, qui tu vois? Tu vois, Fortnite, là, c'est quoi cette recette? J'ai pas compris ce que j'ai écrit, moi aussi. Mais attends, la pâte, il faut la faire cuire. Ouais. Eh oui, il faut la faire cuire. C'est trop bon. C'est trop bon. Moi aussi, c'est bien. Oh. Attends, c'est un peu trop collant. Donc là, de tête comme ça, je te rajouterai flashback. Un poil de farine. Flashback, faut qu'il y ait plus de bulles. Attends, mais il doit y avoir un peu de... À mon avis, il doit y avoir un poil de ça aussi. Ouais, t'inquiète. Ah! Il doit y avoir un poil de ça. Je pense qu'il y a un poil de ça. C'est la levure, ça? Ouais. Je vais te mettre un petit snippet. Tu vois, je t'en mets un chouille, tu vois. Hop. Parfait. En vrai de vrai. On est bien. Let's go. Parfait? Ouais, je crois. Bien sûr, mais mon truc, j'ai juste envie de le manger en vrai. Moi aussi, de fou. Tiens, moi aussi, j'ai envie de mettre de la levure. Ouais, comme par hasard. Comme par hasard, ça le chien. Ouais. Ok, alors là maintenant. Ah, j'ai trop. Ok, alors je vais l'étaler là. Ok, je pense que c'est l'heure de mettre le beurre. Ah non, c'est pas comme ça. Mais elle est collante de ouf, ma truc. C'est un. Bon, tu te laves jamais les mains, mais toi t'es un crado sur mais le plateau. Mais si, je me suis lavé. Attends, ah si, je sais, c'est ça qu'il faut faire. Je vais mettre un peu de farine ici. Coupure. Hop, voilà. Et là maintenant, il me faut un rouleau de pâtisserie. Ouais. Il faudrait un rouleau de pâtisserie. T'es sûr? Ouais, certain. Ok. Vas-y. Certain, mon grand. Non mais. Alors là. Oh non. Non. Quoi? Non, versant la farine, mais je suis rappelé, faut mettre petit à petit. Non. Ok, bon ben. Comme tu veux. Ah mais je suis un ouf. Elle est où le reste de farine? Parce que la farine c'était pour étaler mais ensuite. Je deviens fou, pourquoi ça colle comme ça? Non mais j'ai fait une dinguerie frère, j'ai fait. Tu t'es trompé de farine? Non mais c'est qu'en gros en fait la farine je devais en garder pour étaler et tout, mais là j'ai fait n'importe quoi. Ah ouais. Frère, ça colle de malade mental moi. Non en vrai, si je peux t'aider, c'est juste qu'en vrai t'as les chaudes et du coup le beurre il est limite fou. Ah là, ok. Tu vas faire chauffer de fou avec tes mains. Ah. Du coup là faut le faire refroidir et sinon on est bien. Ok. Hop. Donc je la mets à reposer en fait avant. Ouais. On la met un peu à reposer quoi. Ouais, perds-en pas trop parce qu'à ce moment là tu pourras.
Oh, mais, c'est... mais non, mais mec, par contre, ta table, c'est un carnage. Genre, mec, fais un. Tu vois, sois hygiénique, un peu merde à la fin, quoi. Ok, Snap, faut que ça fasse reposer, c'est ça le problème. Ah ouais, merci, quoi. Bah, ouais, quand même. Ça ressemble à quoi? Ça a l'air bon, chef? Ouais. Ah. Ok. Alors, je vais te foutre ça, hop, dans le frige. Oh. Dans le frige direct. C'est un truc bizarre. Vrai. Oh. Oh, non. Oh, attends. Hé, hey, Maxime, t'es pas tout seul dans cette cuisine. Non, mais c'est un truc de ouf. Non, mais on dirait un parasite. Non mais on peut avoir un plan sur le plan de, la différence des plans de travail entre celui de Maxime et celui du mien. Mais Grim, tu fais de la cuisine ou tu fais du en gros, tu sais c'est quoi le plus important dans une cuisine? De la chirurgie. La propreté. En gros, après un repas, qu'est-ce qu'il faut? Tout nettoyer. Énorme et là. CSC de parler de propreté. Mais regarde la différence des tables. Toi, il y a eu un meurtre. Moi. Désolé, propreté. La cuisine, je la vis. Mec, je la vis la cuisine. Mec, tu vois, je l'ai là la cuisine. Dans Ratatouille, je suis Rémi. Toi, t'es le rat qui mange les pommes de terre dans la poubelle là. Mais dans Ratatouille, frère, t'es le mec qui est mort. Sur GTA? Non? Wesh. Mais y'a pas de guerriers, ils sont pas morts. Mais si, le chef. Ah, mais c'est que je suis un grand cuistot alors, si je suis gusto. Bah, t'es mort surtout, quoi. Ouais, c'est vrai. Bon, spoil. Il y en a qui spoil. c'est vraiment la première scène du film, je crois. Tu m'as spoil le parrain là. Ok, alors maintenant, alors farine. 30 minutes au frigo. Ah putain, mais c'est ça. C'est ça que je vais faire. Mais alors, attends, je peux peut-être faire 10 minutes au congélateur, t'avais dit. Hey. J'ai noté aussi ça. Un petit minute au congé. Après, il y en a un là-bas qui est plus rapide. Ça veut dire que tu vas gagner encore plus de temps. Il est genre à moins 40. Moins 40? Ouais. Genre derrière. Tombe pas. C'est trop malléable. Là, il y a quelque chose. Là, il y a un film. Ah. Hey, le bruit que ça fait. Ouais, c'est ça. Ok. 10 minutes. 10 minutes là-dessus. Voilà, le temps que tu fasses ta ganache. Ok. Mais je pense avant, je dis ça, je dis rien, mais moi j'aurais mis un coup de propre. Mais bien sûr, c'est important. C'est important, la propreté. Voilà. Ça, pas besoin. Ça, je fous ici. Ok, bam. Attends, du coup, le film plastique, on le met en dessous, non? C'est mieux quand même. Non, mais là, le film, là. Ouais. Là, ça, c'est mieux de le mettre en dessous quand même. Sous quoi? La pâte après tout. Il met de la farine sur le plan de travail. Ok, non, je sais ce que je vais faire. Ok, parfait. Ah, mais ça me dégoûte, il a mis ses vieilles mains. Ah, avec tout, Comment ça, c'est abusé? Eh oh! Le chef, il est pas c'est neutre. Tout seul, désolé. Le chef, il prend parti de fou là. Là. Par contre, je suis en train de plier un classique là. Oui, allez. Le classique en question, hein. Alors? Non, en vrai, je sais pas si c'est trompé avec le sel et le sucre, mais en vrai, ça me passe. Maxime, il a mis du poivre. Comme ses cheveux. Bande de chien. Les pattes dans 3 ans. Ouais, essaye de nettoyer entre la merde et les cadavres là, c'est bien. Bon, vas-y, c'est abusé, c'est de la bouffe. Hein. C'est un peu de farine, un peu de pâte. Ça n'a jamais tué personne. Hein. Ouais. Non. Jusqu'aujourd'hui. Ouais, bientôt. Bientôt normalement. C'est incroyable ce que j'ai fait. D'ailleurs, on va mettre le four à chauffer parce que. Mais enlève ton éponge là, tu m'embêtes! Je te parle pas, mec. Ah! Hop, et là, à partir de là, je repars. Je vais aller voir dans le frigo, qu'est-ce qu'il a? Hop. Grim crado, Grim il dégoûte, Grim écœurant, Grim est un assassin, Grim arrête de lécher tes doigts, STP, putain Grim, oh le pétard de guerre de Grim. T'as inventé celui-là? La vie de ma mère, je l'ai pas inventé. Mais tu l'as mis où le tien? Je l'ai mis à Wapi. Clipper cette masterclass, on va dans le rewind de Domingo là. On va passer un petit coup dans Domingo, le rewind. Domingo, tu prépares le clip hein. Eh hey, Domingo hein, tu nous oublies pas hein. Ah non, franchement c'était fort ce que t'as dit. Où tu vas chercher tout ça en vrai? Attends, je peux pas empêcher de faire des masterclass. Franchement, je pas. Ah non, mais ça, ça me dégoûte. Ah non, c'est à vomir de faire ça. Hop, ah putain, moi je suis parti sur de bonnes bases. Ma pâte est refroidie. Non mais bon, les bonnes bases en question. Plan de travail, il est propre, mes mains sont propres, je suis insane. Il reste. What? Attends, mais. Le temps passe vite quand même. Hein. Déjà 23 minutes. Ok, pas de problème. La pâte elle repose. Attends, j'avais pas timé. Oui, c'est bon, ok. Voilà, là on est bien. Là j'ai un plan de travail. Chef. Ça dit quoi là? Bah, on peut faire un petit zoom, c'est que c'est presque propre. Franchement. Putain, non, en vrai, respect. Parce que franchement, ça partait mal. Hein. Ah non. Ok. Non, ah non, c'est quoi ça?
Qu'est-ce qui se passe là? Ah, c'était un homme. C'était un lapin. J'ai eu peur. Ok. Alors là maintenant que ça c'est fait. Oh. On a la pâte. Faut passer. Ok, bon, ganache. Là, je vais faire un parti pré-artistique, j'espère. Vous me jugerez pas dans ce que je vais faire. La ganache. C'est quoi ça? C'est ton plan de travail, ça? Ça peut paraître osé, mais c'est pour le bien de la propreté. Mais c'est pas osé, c'est dégueulasse. Mais non, mais parce qu'en gros, moi, j'ai pas envie de salir le plan de travail. Attends. Ah, t'as pas fini d'ajouter la farine? De quoi? Non, mais en gros, tu sais, c'est pour aplatir. Il est où, le rouleau? Pourquoi tu veux aplatir? Le rouleau, il est là. Pour le remettre en boule. Non. Non, mais vas-y, il faut aplatir. Ouais. Pourquoi t'as utilisé un rouleau? Aplati. Pourquoi t'as utilisé un rouleau? Hop. Mais si, c'est pour faire des sablés. Non. Attends. Frère, t'es trop fort. Ah, t'es trop fort. A deux. Bah ouais. Franchement, bravo. Bravo. Ça, faire pendant le travail, jaune avec sucre, mélange. 4 décagrammes de crème. Farine plan de travail, pas trop mélangé. Qu'est-ce que je voulais dire? Farine plan de travail. Oh. Qu'est-ce que c'est? De la gélatine. De quoi? Je sais pas. Bah, reste dans l'ignorance. Oh non, j'ai fait quoi? J'ai fait une Ah mais j'ai encore mon chapeau moi. Et Maxime, il est où le tien? Mais dans ton cul, connard. Arrête de me parler, on est pas ensemble. Non. Il me fait chier celui-là. Là-bas. Ouais, dans le congèle. Le surgèle même. Ok, alors. Ces trucs par terre là. T'as cassé ton ramadan? Ça m'a dit que j'avais cassé mon ramadan. Ouais, c'est ça. Oh non. Bon, celle-là, je l'ai croqué. Ah mais d'accord, ah ouais, non mais c'est quoi ça? Steffer, on m'a dit. Donc là, j'ai deux feuilles de gélatine. Ouais, en gros, juste par contre, pour l'article, il y a marqué une, mais en gros, une, ça correspond à une comme ça. Ok. Du coup, faut en mettre deux. Ok, bon bah parfait, parce que là, ils sont trois collés, genre. Nickel. C'est où les assiettes? Donc là, maintenant, les gars, on a fait la pâte. On va s'occuper de la ganache. Pour rappel, on est en train de faire une... Ah, c'est là-bas, je crois. On est en train de faire une pâte sablée pour faire dedans crème vanille. Et si on a une, chuchot. Avec du yop, évidemment. Avec du yop vanille. Crème vanille et tarte aux fraises, en fait. Il y aura des fraises dessus. C'est quoi, c'est la gélatine de porc, du coup, ou gélatine normale? Bah, c'est quoi, normal? Mais donne-en. Non, juste. Il y en a, pour... Non, non, c'est pour avoir la texture, s'il te plaît. Mais touche pas, non, mais vraiment, s'il te plaît, s'il te plaît. Mais je viens de me laver les mains. Merci, parfait. Non, sûr, monte-moi une. Tu vois, c'est ça ton problème, espèce de con, va. Gros con, hein, chier celui-là. En fait, il me fallait que ça, donc c'est bon. 150 grammes. 4 décagrammes. Ok, 4 décagrammes. Le tableau. 4 les kilomètres. 4 décagrammes. C'est facile. 4 décagrammes. Mm-hmm. Attends, est-ce que j'ai le droit de l'arrêter si c'est une connerie? Par exemple, là, je m'apprête à faire ça. Non, je sais pas, c'est une question. T'allais vouloir m'arrêter? Non. Oui, ils ont dit oui. Ah. Ils ont dit oui. Okay. Trop attention, bon. Je vais verser mon yop. Non, il faudrait pas verser le yop dans la crème. Mais peut-être chauffer la crème. Peut-être qu'il faudrait chauffer la crème. Chauffer la crème? Faudrait peut-être chauffer. Ouais, peut-être chauffer la crème. Chauffer la crème? Ouais. Chauffer la crème? Ben, go, bien ouais. Sûr. Chauffer la ouais. Crème. Mais comment ça chauffer la crème, ça va tourner. T'es prêt les tartiflis. T'inquiète. Ouais, t'inquiète. Mais toi si. Me lave les mains, attends. On m'a dit un truc vrai dans l'oreillette. Ah, ça va pas au micro-ondes ça. Ah non, ils ont pas les bah, tartiflis. Mais t'es malade, c'est dangereux. J'avoue, je savais pas s'il fallait que je dise quelque chose. Non, il y a quand même quoi la menace de mort, je pense que tu peux prévenir quand même. Ah, OK, d'accord. Oh, le clip de Zinzin que ça aurait fait, j'ai un peu le démon. Ok, mais c'était la première fois que je vois une crème au micro-ondes, je savais pas que ça se faisait ça. Non mais t'es bête ou quoi? C'est brand new. Mais non, c'est pas brand new, c'est de la cuisson. C'est brand new. T'y arrives avec ta crème, avec ta pâte? Non mais c'est correct, tu vois, moi je suis pas comme Maxime qui perd du temps. Moi, t'as déjà mis de la crème au micro-ondes? Faut que je recommence. Fernand. C'est pas un move bizarre un peu ça? C'est vraiment plus simple. Après, moi je... Enfin après... Non mais tu n'es que... Qu'est-ce qu'il y a Maxime? Non mais c'est très bien. Ça va pas exploser, t'inquiète. Mais de la crème au micro-ondes là. Préparez les clips. Bah. Mais t'as raison. Mais t'as raison, la gélatine. Il la faut chaude. Mais oui, la gélatine, il faut la. Ben oui. Il faut la quoi?
Il faut la gélatine, il faut qu'elle soit, elle se fonde dans le truc, dans un truc. Attends, le chrono, il en est où là? Comme ça que je me chronomètre dans la tête. Ah ouais, bien vu. Ouais, parce que 10 minutes. Attends, 62. Conseil, pour gagner du temps, tu l'aplatis comme ça, elle va refroidir plus vite. Oh, ça c'est. Merde, j'ai pas fait ça. Oh, allez, 10 minutes 52. Mais Maxime, tu prends toute la place, tu te prends pour qui là? Elle est chaude? Bah ouais. C'est tiède, ça. Ouais. Ok, étape 2, la crème ganache. Yes. Qui a déjà fait de la crème au micro-ondes? Mais personne justement. Mais bon. Maxime, t'inquiète, c'est quoi? Franchement, tu t'en sors très très bien. Ah non, mais non, aluminium, ça se met sur ça. Bon. Ouais. Ouais. Après perso, moi quand j'utilise une plaque comme ça, je mets une casserole. Après, je suis. Enfin, quand j'utilise ça, je veux dire, je mets une casserole, moi. Putain, fallait. Bah ouais. C'était avec la plaque de cuisson. Bravo, le génie. Après, Maxime, t'es lancé, c'est bien. Après, chacun ses techniques. Toi, tu vois, tu réinventes la recette. Mais c'est bien. Et ça fonctionne. Putain, la plaque de cuisson. Mais ça fonctionne. Ça fonctionne, recette, elle est chaude. Mais oui, voilà. Je mets ma gélatine dedans. T'as gagné du temps. Bah ouais. Au moins, elle a pas débordé. Bon, je trouve pas. T'as rien écouté, toi. Je l'enlève. Non, à lui. Je l'enlève. Je rigolais. Ça, c'est la crème liquide, ça? Ouais. C'est ça. Il est où le mixeur? Là. Ah, parfait. Ok. Il est où le. Ouais, c'est tacle à mixeur? Merci bien. Eh, hey, beau gosse. Et t'en as un autre comme ça? Enfin, de toute façon, je dois attendre le mixeur. Ouais, y'a moyen. Hop. Allez, balance. Plus crème. Demande au chat comment faut faire avec la gélatine, ils doivent savoir. Putain, j'ai pas les doses. Y en a un qui a dit la bonne réponse. J'ai pas les doses de chocolat blanc. C'est vrai, j'ai capté la gélatine. Ok. Mais toi, tu prends toutes les feuilles de gélatine du monde, c'est ta cinquième là, qu'est-ce que tu fais, gros? Y'a pas, wesh. Cherche quoi? Je cherche. Je peux pas dire à voix haute. Ah. 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 Alors. Ah. Oh. Hop. Attends. Crème liquide, chocolat blanc. Hop, tac tac. Latine. Hop. C'est une girafe, pas un mixeur, si je peux me permettre. C'est une girafe? C'est ce qu'il a dit. Ah bah c'est permis. Emploie les mots. Bah, hey, emploie les vrais mots. C'est un mixeur, reste sérieux. OK. Maxime, décale-toi. Hop, hop. Tu me fais peur avec ton truc là. Y a pas de cuillère ici. Wow, je vais prendre ça, c'est très bien. Oh, attends. Wesh. Quoi? Qu'est-ce que tu fais comme dingue toi? Il manque pas un truc? C'est ça? Ah, la crème liquide. Ah. Peut-être. Hop. Mais qu'est-ce que tu fais toi avec ta gélatine là? Ah ça y est, je me rappelle. J'ai l'image en tête. C'est en mode un peu. T'as capté. J'ai capté moi. Moi je me rappelle. Non mais on peut pas. Oh, attends. Ah mais. 38 centimes. Ah, mais je peux pas. Ok, ma pâte. Bon, il y en a un peu trop. J'attends encore un peu la pâte. Ouais, bonne idée. J'attends encore un peu la pâte. Je vais prendre ça. Ok. Hop. Et ça va aller dans la crème. Ça va dans. Qui a mis le chocolat dans la crème? Oui. Faut pas. Et moi, ce que je comprends pas, c'est quand. Ah. Quelle étape il y a le yop? C'est ça, je comprends pas. C'est le béaba pourtant. Ok, attends, on est d'accord, juste. Si je fais ça, je prends pas de décharge. Non? Pourquoi tu prends pas de décharge de quoi? Bah, c'est branché. Ah! Il a pas fait chauffer sa crème?
Bah, je suis. Ouais, on est d'accord, hein. Ok. Ok, donc là, c'est bon. Ok. Wow, le bruit. C'est pas mal, ça, c'est pas mal du tout, je pense. Yop plus graines, mais. Je mets pas les yop, genre. T'y es presque. Pourquoi je mets pas les yop? Ouais. On y est jusqu'à demain. Je pense à ce niveau-là. Ouais. C'est vrai que c'est chiant. Parce que, en fait, le chocolat va jamais fondre. Parce que j'en ai il besoin. Est pas chaud. Non, laisse. Vas-y. Ah bah. Casse-toi. Tiens. Arrache ta mère. Ça, je vide là. Pour ça, je dis un petit au revoir quand même. Non, comment ça s'allume? Ok. J'ai eu peur. Hey, il m'en fait une belle ganache, lui. Ah, on est d'accord. Ouais, on fait une belle ganache, ouais. Tous les trois, ouais. T'es mal à ganache. Ganache, ouais. Non, mais je vais, il reste des bouts. Ouais, un peu. Ah, merde. Bon, Maxime, tu vas me la renvoyer après. Oh là là. Oh oui. Ouais, je vais m'éloigner un peu. Non, c'est très très bien, je pense. Attends, t'en as plus besoin? Non, vas-y, tiens. On vous envoie. Qu'est-ce que t'as foutu là, la farine? Mais ouais, je comprends pas pourquoi il y a ça. C'est à moi. Hop. Allez, ça dégage. Ça dégage. Feuille de gélatine. Le sucre. La crème. Non, y a pas le sucre. Mais non. Chocolat. Feuille de gélatine. 150 grammes de crème. On met au frigo. Ah, presque. Il manque... T'es là pourquoi? Mais le yop, mais oh quand je voulais le mettre, ça m'a dit oh fallait pas le mettre. Mais mec, on est là pour quoi en fait? Mais ça m'a dit fallait pas le mettre. Je pensais que j'avais une autre étape. Faut bien le mettre à un moment. Ah, je sais pourquoi, parce qu'il est froid et que si je le mettais avant, ça baisait le truc. Ça cassait la chaîne du ça froid. Ça caille, ouais. C'est ça le terme qu'on entendait. Ça caillait. Mais il a jamais cru de sa vie. Tu l'es caillé. Ah oui, je vois pas comment ça caille en mode il fait froid. Mais je comprenais pas. Ok, je comprends. Non, je pense qu'il faut l'ignorer malheureusement. Hop. Attends, alors quoi, ça. Flop. Quoi, ah, quoi. Non, rien. Mais là, il y a un beaucoup de. Attends, la gélatine, t'as fait comment toi? Asie, hein. Putain, j'ai essayé. Asie, hein. Chocolat blanc, gélatine. T'as un peu oublié qu'on était contre, hein. Et là, je t'envoie le Yop vanille. Merci Yop, hein, bien sûr. Hein. On le rappelle encore une fois. Oui. Merci à eux. Hop là. Point trop d'enfant. Ok, ah bah écoutez, moi sur ce, je vais. Attends, prendre... vous, j'ai besoin des plaques. Mais ça, j'ai besoin de ça, moi. J'ai fait tomber, il y a des bouts de chocolat, je crois. Je croyais que t'avais mis des glaçons carrément. Il a toujours pas compris, je crois. Attends, je vais faire cuire. Ah, ok. Bah non, mais oui, quand même. Ah. Bah. Oh putain, comment ça? Ah ouais, il connaît rien à la cuisine. T'es sûr de ça? Mais attends, mais tu peux pas mettre le verre là-dessus, je crois. Toi, t'allais mettre de l'inox dans le micro-ondes. Oui, c'est vrai. Mais là, je crois que tu vas casser un truc. Je pense que ça va pas sur la plaque, ça. Attention. Arrête. J'ai eu peur. Et je crois qu'il allait renverser sa crème. Comment on pianote. Si tu veux une casserole, il y en a dans un tiroir à tes genoux. Ah, ok. Ah non, mais je te laisse faire. Parce que attends, j'ai pas envie de faire fondre. Vas-y. Un truc, c'est que moi, je veux bien la casserole, mais il y a pas de manche à casserole. J'ai pas envie de me brûler les mains. Ok. Non plus. Comment ça non plus? On m'a dit dans l'oreillette non plus. Ah, pas mal ça. Mais qu'est-ce qu'ils veulent de plus? Vous voulez pas perdre de temps, oubliez pas d'allumer le four. Va allumer le four, ouais. C'est un conseil d'amis. Merci. Hop. Wow. Wesh. C'est une dinguerie ça. C'est quoi ça? Je sais pas. Pour la vapeur? Un parapluie? Ah ouais, peut-être, non. T'as raison. Comment je monte la température? Mais c'est un four vapeur ou c'est quoi? Ah oui, bien vu. Veuillez ajouter de l'eau dans le bac. Oh, je mets à 9, comme ça on est bien. C'est un vapeur. Attends, écoute, t'as un réacteur pour aller dans l'espace, gros. Il va faire bizarre ce que tu fais. Ok. Mais qu'est-ce que tu... Voilà ce que je voulais faire tout à l'heure, ça. Du coup, en fait, j'étais trop en avance sur mon temps. Je suis comme un rappeur avant-gardiste.
Ouais, ça doit être ça, je pense. Je lui allume le four. Ah, c'est pas allumé? Non, je sais pas. Je disais ça à personne. Pitié. Mais tu sais pas allumer un four, mais t'as quel âge? Ouais, ils ont dit vas-y. Ah, ils ont dit vas-y, je crois. Même eux, ils ont give up. Ils ont compris que c'était la galère, là. Mais attends, mais le four, il est pas allumé, je comprends pas. Comment ça? Ah bon, je jure que tu vas me laver ce rouleau. Tu vas me laver ce rouleau. J'en ai besoin. Mais je passe pas après ça, moi. Moi, tu me le laves le rouleau, t'es fou. Mais je le lave pour moi, t'es un ouf, toi. Tu le laves pour moi. Tu crois que je t'en commis ou quoi? Mais tu sais, conseil d'ami, ça, c'est un rouleau aussi. Ça fonctionne, ça fonctionne aussi. J'ai un peu besoin de film plastique en vrai. Oh, le yob, je crois que c'est après. Oh, ça cuit bien là. C'est bien ça, non? Oh, c'est bien en vrai, je pense. Ce que t'as fait, Grim. Mais quoi? T'es serein sur ta recette ou pas pour l'instant? En vrai, je pense que je m'en sors pas trop mal, hein. Orman. Moi aussi, ça. Non, toi, je pense que t'es gourmand et. T'es rêveur. On verra bien. C'est quand la dernière fois que je t'avais éteint sur une recette? Ah, mais non, on était ensemble. C'était avec Michou, la vidéo avec Michou. Mais oui, c'est pas Michou, c'est Inoxtag. Ah, mais je les confonds toujours les deux. Quoi, t'es en train de dire les deux petits cons? Ouais, c'est ça. Après, tu sais, ils sont plus grands que toi en taille quand même. Hein. Non, par contre, ça c'est faux. Et j'ai des preuves. Hop. Et du coup, ça c'est bon. Hop. Oh, comment ça sent bon, sang? Ouais, ça sent bon, ouais. Non, on dirait, tu doutes. Il a pas éteint la plaque, l'enculé. Ok. Mais si, j'ai éteint la plaque, c'est juste que ça vient de chauffer, normal, ça, il y a un temps que tu starts. Je t'ai causé ou? Si, c'est moi. Ah, c'est toi. Hop, alors attends. Feuille gélatine, ok, chocolat blanc. Ah oui. Yop. Ok, ok. Ouais, on va mettre ça. Tac. Hein. Ouais, d'accord, je peux mettre un mixeur dans un truc chaud, c'est pas très grave. Non, tu peux. Ok, ok. Qu'est-ce que tu fais? Oh! Mais c'est... Dans l'idée, c'était bien, mais. L'exécution, c'est zéro, hein! Mais. En fait, faut en mettre des deux côtés. Parce qu'en fait, c'était bien, du coup, ça colle pas là, mais t'as vu, ça colle. Ah ouais, ça colle de l'autre côté! Ouais. Ça colle de l'autre côté! Merde! Oh putain! Oh non! Quoi? Pardon. Oh non! Oh putain! Oh putain, non, quel con! Bah ouais, quel con! Ah non, mais oui, je suis con, mais j'en ai mis que... Fallait en mettre sur le machin. Ah, bah voilà. Voilà. Non, alors, j'ai le chat, il y a un mec qui a dit un rouleau beurré au beurre. Ça peut te faire plaisir. Ça me fait plaisir, je crois. Oh. Qu'est-ce que tu veux encore? Bah rien, justement. Regarde, check ça. Oh, ouais, check ça, mon pote. Attends, mais je suis un ouf là, c'est. Chef, où sont nos appliques rondes afin de découper la pâte? C'est ça. En fait, c'est ça. C'est mieux en fait. C'est ça qu'il faut beurrer. Mais attends, mais j'ai pas assez de pâte pour ça, moi. Ah, t'en as mis la moitié par terre. Je te sens là-dessus. Non, du coup, allez, faut mettre tout au fond du moule, ok. Y en a deux ou pas? De ça. Ouais, l'autre est là. Juste, ouais. Ok, ouais, parfait. J'allais dire, c'est quoi ça? Mais ça, c'est la crème ganache en fait. Oh non. Eh, hey, bouge. Hop. Ok. Oh, sa mère. Grim. Quoi? Ah. Ah, je viens de capter la connerie, ouais, là. Là, c'est la D, là. Qu'est-ce qu'il y a? Ça veut dire qu'on en a utilisé trop. Tu vas t'en apercevoir tout seul, mon grand. Mais qu'est-ce que tu racontes? Moi, j'ai pas les mêmes problèmes que toi. Hein. Moi, tout est bon. Non, touche pas à ça, c'est bizarre. Bizarre un peu, ça. Ouais. Hein. Liquide, gélatine, beurrer le moule. Et voilà, bah on est bien. Bah on est bien, là. On avait plus de beurre, frère. On avait tout utilisé. Ah bah ouais. Bah normalement il y a écrit beurrer le moule en même temps, faut suivre. Attends, je regarde ce qu'ils me disent, je crois que j'ai pas oublié d'étape moi pour... Avec amour hein, comme on a dit c'est le plus important de la recette. Le plus important de la recette. Ah voilà, t'inquiète. Pour la crème ganache, moi je suis bien je crois là. Non? T'as mis la gélatine? Ouais. Elle était dure ou elle était molle? Ou semi-molle? Elle était comment par rapport à quand on a regardé la recette, le tuto, la gélatine? Elle était ouais? Je l'ai mixée. Oh
Ah, ok. Ah, bah nickel alors. Mmh. Bien. Bien, bien, bien. Ok, bon, vous avez l'air chaud sur le projet. Donc. Franchement, je kiffe de ouf ton projet, frère. Bah, c'est pas de mentir. Hein. C'est plaisir, les gars. Vas-y. Ah, c'est pas exactement comme j'avais imaginé. Ouais. Quoi ça, que... ça va se réguler quand tu mets souvent un truc au four, ça ressort, c'est nickel. Tu vois. Ouais, je capte. Ça se régularise et tout. Ah ouais, non, mais t'inquiète. Pas de galère, hein. Pas de galère. Y'a pas de gal. Mais là, je pense que je suis pas mal en vrai. Je vais bien que ce soit un peu plus homogène, mais. Mais dans l'idée, c'est pas trop mal, je pense. On est bien. Maxime, sur un conseil, aplati la pâte comme ça, ça. Je veux pas de conseil, donc. Donc au pire, arrête de me parler, quoi. Tac. Tac. Cataclysmique. Ah ouais. C'est le mot. Franchement, en vrai. En vrai de vrai. Est-ce que je dois faire comme Magrams? Genre, je pique. Maxime, ta crème à toi, elle est au fond, ok? Quoi? Ta crème à toi, elle est au fond, ok? Ok, merci. Après, je pense là, il y a plus d'importance. Hein. On a rendu un point où ça devient pas forcément utile. Ah, genre en mode je me branle, quoi. Ouais. Ok, bah je vais le mettre au four alors plutôt. Allez, enfonde-moi ça. Hé, hey, Grim! Quoi? T'as vu ta pâte, elle était où? Oui, j'ai vu, je l'ai là. Non, mais avant, ça. Bah, au frigo. Je l'avais enlevé du frigo. Pourquoi faire? C'est la triche. Parce qu'elle était pas assez fraîche. Mais t'as vu, elle était sur le congélo, elle était pas dedans. Mais t'es un malade ou quoi? Mais parce que j'avais plus de ma place pour ma crème. Mais t'es ouf ou quoi? Mais. Non, mais c'est bon là, je pense. Mais non, mais elle est. Mais c'est bon là. Après, elle a l'air d'avoir une bonne texture. Elle a une bonne texture. C'est-à-dire, tu peux peut-être l'étaler. J'ai sauvé la life. Galérer. Je t'ai sauvé la vie, t'es un ouf. Mais t'es un arnaqueur. Mais parce qu'en fait, quand j'ai. Non, en plus, il a utilisé toute la farine. Non, mais non, c'est pas réglo là. On a plein de farine. Oh non. En vrai, ça ressemble à quelque chose. Oh putain, je me rappelle de la suite. Oh la dinguerie. Oh, je me rappelle de la suite. Je me rappelle de la suite. Toi, tu m'as enlevé ma ganache du frigo, ça c'est sûr et certain. Donc je vais vérifier, mais j'en suis sûr. Mais non, mais moi en gros, je suis pas un arnaqueur comme toi. Moi, je laisse tout. Je vais prendre la farine là, hein, j'ai pas le choix, je pense. Bah ouais. Hop, non, sucre glace. Prends la farine, ouais. Eh, t'as dit que c'était laquelle, la mienne? Celle au fond. Y'a plus de farine. Farine de blé, non. Si. Bah si. Bah si. Bah si. Eh, quand on fait de la farine. Eh, hey, Dorian. Ouais. On en a pas encore parlé, mais. Moi, je suis ce que tu fais et tu fais des box. Exactement. Et tu m'as dit que tu pouvais en faire gagner à des gens. Exactement. C'est toujours le cas où tu m'as inventé et tu veux plus en offrir aux gens. On peut en gagner une ou pas, nous en faire... Ouais, ouais. Ah, bah. Pourquoi pas? C'est assez frais, là. Ouais. Allez. Ouais. Allez, après, tu sais, elle est bien là-bas, je pense. Ouais, je vais la laisser un peu là-bas et ouais. En sécu, genre. Ouais. Ouais, ouais. Je vais la remettre là-bas parce que j'ai envie de la remettre. Parfait. Hop! Mais pas le papier avec, hein. Ah non, mais non, mais non, mais ah, ça, ouais. Ça va pas, attends. Mais qui allait faire ça? Pour ceux qui connaissent pas, peut-être dans le chat d'Orient, le coin du pâtissier, sur. Moi, je t'avais découvert sur TikTok, mais t'es aussi beaucoup sur Insta. Ouais, essentiellement. TikTok, essentiellement. Ouais. TikTok, Insta, ouais. TikTok, Insta, ouais. C'est pas ça. Trop de YouTube. C'est pas à ma cam. Et Twitch? Non. Bah, un peu là maintenant, du coup. Bah, du coup. Du coup, maintenant, oui. Pardon. Hein. Mais en vrai, j'aime bien. Tu devrais faire du live en vrai. Avec le chat et tout, c'est hyper drôle. C'est trop bien. Et en vrai, tu devrais faire du live parce que t'es grave à l'aise et tout. Ouais. Mais. C'est pas le cas de tout le monde. Tu vois, Grim, il sait pas faire, tu vois, par exemple. Ouais, mais en fait, on s'embête vite derrière une vidéo de cuisine quand t'es tout seul, tu vois. Alors que là, il y a une ambiance. Ouais. C'est drôle. Que ce soit un peu collégial, ouais. Ouais, faudrait qu'il y ait que des invités. Ouais, côté beaucoup recettes et tout. Après, t'as le côté aussi où t'as ta plus-value de toi, tu sais faire. Donc, les gens qui te regardent, ils regardent aussi pour apprendre des trucs. Tu vois, c'est pas la même. Ouais, là c'est plus pour gaulerie. Arrête de tous les chier, bordel. Mais pourquoi depuis le début tout le monde dit Grim dégoûte? Je te jure, à chaque fois que je regarde le chat, et c'est pas une vanne, je vois Grim dégoûte et moi je suis pas au courant de ce que tu fais. C'est-à-dire depuis tout à l'heure tu fais des dingueries, je suis pas au courant. Mais qu'est-ce que tu racontes, gros? Mais regarde ton sourire, arrête de sourire. Mais quoi? Arrête de sourire. Oh, attends, je mets un classique là, tu peux. Je suis dégoûté, elle est bien ta pâte en plus. C'est fantastique ce qui se passe là. Non mais il peut avoir une caméra sur la pâte, sérieux là? Il lèche tout ce gros porc. Comment ça tu lèches tout? C'est un labrador ou? Mais dis n'importe quoi, tu sais, chat, c'est des menteurs tout le temps, ils font des blagues et tout, c'est des petits comiques, quoi. On arrive à la moitié du temps. On arrive à la moitié du temps, Dorian, c'est le moment, pendant que ça cuit ici, ma pâte cuit, ouais. Ma ganache est en train de refroidir, c'est peut-être le moment d'annoncer que tu peux faire gagner des box. Alors ce que tu fais en fait, c'est que chaque mois, si j'ai pas de conneries, tu fais gagner des box. Il y aura de la farine à ramasser, tu les fais pas gagner, tu les vends. Ouais. Tu vends des box aux gens, où dedans, il y a une recette et c'est un peu en mode tout compris.
Genre, t'as ustensiles aussi, ingrédients. J'arrête de tout. Il y a les conseils, le magazine, le cours vidéo, la recette et le matériel. Et ce mois-ci, genre, c'est sur quoi par exemple? Ce mois-ci, genre, c'était la tarte au citron meringuée, un classique. Oh, je l'ai vu. Je l'ai vu, t'as, fait, t'as fait un réel dessus. Bouge. Un réel, genre un truc Insta. Ouais, un reel. Quoi, vous, ça, les gars? Ouais, non, okay, non, mais oui, oui. Un américain. T'as, tu dis réel ou reels? Je crois qu'il faut dire reels, mais moi je dis. Ah, toi, tu dis réel. Tu dis réel? Moi je dis true. Moi je suis un requin, je suis avec du. Tu dis rien du tout, frère. Toi, tu dis rien. Hé, tu vois, t'es un malade ou quoi? Non, mais je vais voir la texture, t'as un baiser. T'es un malade ou quoi? J'essaie de t'aider, je vais voir la texture. Arrête. Viens. Arrête. Viens. Viens. On va regarder l'écorce. C'est raciste. Non, mais excuse-toi des écorces. Non, pardon, allez à Ajaccio. Gatu. Allez qui? Allez à Ajaccio. Gatu. Le gatu? Le chat? Gatu. Le chat? Si. Ah, le chat? Si. Ah oui. Tu peux dire le Yagaro aussi, mais ça c'est en sud. Okay. Maxime, pourquoi tu nous as pas prévu des manchukila à la Corse? Mais ça existe pas. Ça s'appelle des miyachi. Ça rien à voir. C'est presque j'ai dit. Les miyachi, c'est super bon. Tu as déjà goûté les miyachi? C'est comme ça qu'on les gnocchi. Les gnocchi. Oh putain, j'ai. Les gnocchi à poêler? Allez. Non. C'est trop bon. C'est quoi ces gnocchi? Je savais pas moi. Un miyachi, c'est un truc au fromage. Ah. Manchukila. Allez, c'est bon. Allez. Faut beurrer le fond ou pas? Ou juste les côtés? Tout. Vas-y, tout est bon à beurrer. Ok. Et du coup, pardon, on est coupé. Je voulais parler de. Je voulais parler des box. Ça fait rire. Excuse-moi, je voulais parler des box. Ça m'a fait rire. Du coup. Arrête de sourire. Du coup, ouais, tu peux faire gagner des box. Et là, donc là, ce mois-ci, du coup, c'est box. C'était la tarte meringuée. C'est celle que tu fais gagner là ou quoi? Sinon, il y a la Baba Morito. Ok. Celle qui t'arrange en fait, hein, c'est toi qui choisis. Bah, ils vont pas être non plus, en plus avoir des... Wesh. T'as fait quoi? Attends. En vrai, il a plus de pâtes que toi. C'est vrai. Chez moi. C'est vrai. Ou peut-être qu'il a peut-être mis plus de beurre ou de farine. Ah, tu crois que c'est ça? Peut-être. Mais moi, je crois que j'en ai mis beaucoup ailleurs. Ouais, je crois. Bref, pour ceux qui veulent gagner des box, ce qu'on va faire, c'est que vous allez dire dans le chat. On dit quoi, Daphné, dans le chat? Ok, merci Yop et Dorian. Tous ceux qui écrivent merci Yop et Dorian dans le chat, sans faute évidemment, sans faute, vous écrivez bien son prénom. Avec un A. Exactement. Merci Yop et Dorian. Tous ceux qui disent ça dans le chat, vous allez pouvoir gagner une box. Vous allez pouvoir gagner une box. C'est pas moi qui gère, c'est Daphné qui va sélectionner ensuite les gagnants. Je sais pas combien il y a de gagnants. Bonne chance à vous. Trois gagnants. Ok, il y a trois gagnants. Trois box à gagner. Nickel. Voilà. Ok, ça va, c'est bien écrit. Ça va. Mais Grim, pitié. Chaque fois que je vois, je te jure, c'est ça. Ok, donc voilà, après c'est plus dans mes mains maintenant, vous allez pouvoir gagner des box, merci mon frérot. Et de toute façon, si vous voulez le retrouver, n'oubliez pas, le coin du pâtissier, Dorian, le coin du pâtissier sur Instagram. Et c'est trop bien ce qu'il fait. Et du coup, peut-être que vous n'étiez pas là quand on en parle au début, mais c'est un des premiers gars qu'on avait reçu sur Zen en saison 1. Oui, pour ceux qui se rappellent, à chaque fois en P1, souvent on avait un mec qui avait un talent caché. Enfin, un talent caché. Pas, ou pas caché, juste un talent. Ouais, un talent. Enfin, toi, c'est vrai qu'il était bien caché le tien, Grim. C'est quoi mon talent alors? Bah, je sais pas, il se dit, c'est pour ça, il est trop bien caché pour l'instant. On cherche. Il s'est découvert du coup mon talent? On cherche avec l'équipe là, on cherche pour l'instant, on sait pas. Attends, j'ai de la place pour moi ou c'est que un par? Oui, tu peux. Ouais, tranquille. Tu peux. Et du coup, voilà, allez lui donner de la force, il est trop fort. Et du coup, il nous avait fait des gâteaux pourris. Gâteaux. gâteaux chewing-gum, gâteaux dentifrice, c'était l'enfer. Ouais, gâteaux pâté. Il m'avait traumatisé celui-là. Grim, tu vas le bouffer tout seul ton gâteau vieux porc. Mais moi, vous avez cru que vous avez grave, vous avez rien grave du tout, vous juste vous regardez. Bon, en tout cas, force à Dorian parce que visiblement il a chié dans son cake. bonne chance, si tu dois goûter. Après, t'es pas obligé de goûter, tant pis pour toi. Hein. Tant pis pour. J'ai regardé, normalement, il n'y a pas trop de coque de 2, donc c'est bon. Ah. Coque d'œuf. Ouais. Ouais. Moi non plus, ça, je crois, j'ai pas fait. Hein. Moi, ça, j'aime pas trop d'habitude. Tu manges pas ça? Bah, j'aime quand c'est croustillant, j'aime ouais, bien. Ouais, je peux comprendre. Coque d'œuf, c'est complexe quand même. Ouais. J'aime. Ok, là maintenant, je sais ce qu'il faut faire. Je sais ce qu'il faut faire, juste j'attends que la crème elle soit prête. Je sais pas si elle est. Combien il reste en régie de temps là? À peu près. Vous pouvez mettre le chrono, pas 35, je pense. 38 minutes. Putain, j'ai mis quand même. Je sais pas quand j'ai mis ça, je sais pas. Moi, ce que je propose, c'est. On nettoie le plan de travail et on va passer à la recette un peu. Mystère. What's up? Ouais. Oh ouais. Recette mystère. Ouais. Vas-y. T'as mis où la crème, toi, au congèle? Bah, toi aussi. Ouais. Bah, ouais. Ok, bah, ouais. Ah, ok. Bah oui. T'as fait une connerie? Non. T'as touché ma crème? T'as fait quoi? T'as touché ma crème? Non. Putain, Steph, tu me bloques. Je suis obligé de passer par des chemins dérobés. Oh,
Ouais, justement, il est petit, on voit pas sur la cam. Ok, non, c'est bon. Tiens, Grim. Elle est peut-être derrière. Ok, oh, bien joué. Quoi, bien joué, bien joué, bien joué, bien joué. Pas de gaspillage de nourriture. Bah ouais. Pas de gaspillage, hein. Pas de gaspillage. Hop, ok, alors le chef, il a dit, on nettoie, et moi, je suis studieux. Pas du tout, parce que vas-y, tu vas bah, me nettoie, alors. Quoi. Je vais nettoyer mon... Je vais nettoyer mixer, mon... on peut le mettre sous l'eau, okay. Hein. Ouais, bah, tant que c'est débranché, en vrai. On vous rappelle, il y a ce beau trophée à gagner. C'est vrai qu'il y a un beau trophée à gagner. Il est en or massif, on en plus. On se l'a donné, ouais. C'est l'or massif. Il est en or massif, ouais. Et il fait au moins 2 kilos. Ouais, franchement, facile. Lourd. Facile. Lourd, je peux le mettre dans mon décor. Toi, t'as un décor? Ouais, ouais, j'ai un décor, ouais. T'as pas de décor, t'as rien derrière toi. Si, c'est ma chambre. T'as les cafards, quoi. J'ai pas les cafards. T'as les cafards qui décorent un peu, mais. T'y as les cafards. T'as les cafards, c'est tout ce que t'as. Mais c'est bien déjà. En vrai. Bah, il a les crampes. Moi, j'ai une maison, moi. Ah. C'est quoi ce clash là? Quoi ce clash? Ok, allez, go. Maxime, faut nettoyer là, t'attends quoi? J'ai reniflé un truc là, bizarre. Ok, je nettoie. Mais je nettoie que mon côté par contre. Non, vas-y, on nettoie tous les deux, t'inquiète. Oui, oui, oui. On dirait que tu nettoies pas là. Si. Mais tu fais quoi là? Je nettoie. Ok. T'es sûr, tu nettoies? Ouais, je te soutiens. Mais comment tu nettoies toi? Bah alors là, j'ai fait d'abord. T'as déjà nettoyé? Une fois, ouais. Ah. Je mets l'eau. Ok. Là, c'est. Tu vois, il y a une petite frontière qui se crée entre les deux camps, en fait. Ok, genre là, c'est. Voilà, là, c'est. Tu peux facilement deviner, je pense. Mais je crois que tu t'es fait un peu avoir sur la place. Hein. Ouais, par contre, il m'a baisé sur la place. Ouais, clairement. Moi, j'ai cuisiné sur une plaque de cuisson pendant tout le long. Mais vas-y, c'est pas grave. Ouais. Hop, et tu. Bon ouais, non mais c'est la live, il... Allô? Ça va? Je suis en live avec Maxime, là. Mais frère, il fait plein de blagues pas drôles, j'en ai trop marre, genre. Allô? Ouais, genre... Mais tu vois, genre, live, il est cool, mais Maxime, tu vois, il est chiant, genre. Mais tu vois, sinon, live, il est bien. Happening! Bon, attends, je te laisse, il y a le relou, il me parle. Happening! Je te laisse, il y a le relou, il me parle, là, vas-y, tchou. C'est happening, les gars. Allez, salut, gros. Hey, gros, je suis au téléphone, pourquoi tu viens me couper la parole? Bien. Tu m'as tué avec ton happening. Tu m'as tué avec toi. Ouais, bah ouais, c'était un happening. Bon, mec, tu sais, t'as pas nettoyé là, tu joues à quoi, gros? Eh, ta gueule, gros. Parle pas avec moi, je te jure. La vie de ma mère. Ok, alors là, c'est bon, de mon côté, c'est fait. Faire. Ok. Là, j'ai soif. Oui. Ok, j'ai capté. T'as pété. Mais t'es un malade mental. J'ai entendu un bruit. Non, mais en gros, c'est ça. Oh. Ok, ça va. Non, mais. Ok, tu veux un smoothie. Ouais, mais attends, mais d'ailleurs, vous voulez pas qu'on aille toute la farine d'abord? Mais frère, c'est ton side, regarde mon side. Exactement. Bah je sais faire ça. Bah c'est parti. Je sais faire ça. Alors là il y a aucun problème. Pour faire ce smoothie, les gens vont croire que c'est prévu tellement que je vais te plier un classique. Ok, t'es prêt? Non mais arrête de. Attends, on n'a pas d'idée pour comment faire le smoothie? Mais j'ai pas besoin. Y a pas besoin d'idée. Là pour le coup c'est un petit peu le talent tu vois, barmade. Frère, j'ai la vie de ma mère. Mais je crois que j'ai une vraie idée. Je vais te faire un smoothie. Okay. Je rigole pas. Mais je crois que j'ai une vraie idée. Parti. Juste un smoothie. J'aime pas la peau des. Oh désolé, pardon. Des fruits. Ah, t'aimes pas la peau des fruits? Non. Ah mais je te les enlève. Même l'ananas. Ah ouais non. Ok, chiant. Pas trop. Ok, chiant. Pas trop. Donc bah c'est très simple. Je vais partir sur ça. Mais attends, où est-ce qu'il y a des serviettes? Parce que c'est important quand même les serviettes dans une cuisine. Là. Oh malin. Merci. Parce que bon Maxime, faut nettoyer quand même hein. Arrête. Je coupe pas un doigt hein. Je vais essayer. Ce serait trop dommage, je préparais les clips. Hein. T'imagines, tu te coupes un doigt après, tu souffres et tout. T'as envie de me couper un doigt, on dirait. Mais non, t'es ouf. Ok. Arrête de faire ça. Mais de quoi? Tu sais très bien ce que tu fais, gros con. Pas de gros mots sur Twitch. Il y a des enfants qui. Ça roule, il y a des parents avec leurs enfants, ils regardent, tu dis des gros mots, t'as pas honte? Ouais, c'est vrai, pardon. Pardon, les enfants. Hop, je te mets ça. Attends deux secondes. Hop, je te mets ça. Ah putain, j'aime pas toucher les. J'ai un peu la phobie des bananes, genre. Oh. Ah ouais, pourquoi? Je sais pas. C'est la texture? Ouais. Le l'odeur aussi. Ouais. Pourquoi je, pas. Ça me dégue les bananes. Ouais, t'en as jamais mangé? Non. Ouais, ça. Quand c'est ta phobie des bananes? J'ai pas la phobie. C'est juste, je suis en mode. J'aime pas. Je ne peux se goûter, gros. Tu fais une pause goûter là?
C'est le smoothie, il va se faire foutre. Non mais il reste plein de bananes et de fruits tout. Ah mais putain, c'est délicieux les bananes en plus, comment t'aimes pas ça sérieux? Ah, t'as vraiment la phobie. J'ai pas la phobie, ça me dégue genre. C'est pas une phobie, j'ai pas peur des bananes, juste ça me... Bah... C'est pour les poules. Non, alors, en fait, ça c'est parce qu'il y en a trop. Bah tiens, je le donne à Grim, hop. Tu vois quoi là? Il y en aurait eu trop sinon. C'est quoi ce bruit là? C'est quoi ce bout là? Attends, y'a un noyau dans ça? Attends, y'a un noyau dans la mangue, frère. Oh. Wesh. Mais depuis... Mais c'est un avocat? Oh, tu joues à quoi là? Mais attends. T'es sûr que t'as forcé? Enfin, t'as pas... Y'a un noyau dans la mangue. Elle est enceinte, genre. Ouais, sûrement. Mais comment tu coupes une mangue, toi? T'es un ouf, quoi. Il y en a des couteaux, on est chez Michael Myers, tu sais comment, là? Qui est presque? Ah. Bon, Maxime, tu te montrais comment on coupe une mangue? T'en veux, Jack? Ah! Mais... ça te dérange? Non, pas de soucis. Ah, ok. T'as la pression? Bah ouais, un peu. Frère, la mangue, elle a un noyau, genre. Attends, oh, très important, on l'a oublié. Mais wesh, l'interdit du kiwi. T'as déjà vu ça? C'est vrai qu'il est épais, le noyau. Attends, montre au chat. Ouais, j'ai vu. C'est un shiny. C'est vachement épais, quand même, au milieu, là. Attends, je dois enlever tout après, ça. Après, moi, je coupe jamais un kiwi dans ce sens-là. Moi, je suis trompé de sens, c'est ça, le problème. Mais attends, par contre, non, mais le plus important, Maxime, faut rincer les fruits, hein. Bah ouais, attends. Mais je mets pas la peau. Non, mais même, faut les rincer, les fruits. Gros dégueulasse. Mais Maxime, tu crois une mangue? C'est une banane, c'est super solide, genre. Je comprends pas, frère. Attends, tu vas y arriver après. Les gars, j'ai un cadeau pour vous. Ah ouais? Juste, vous fermez les yeux et vous tendez les bras. Oh non. Pas de galère. Non, mais il va... C'est gentil. Attends, Grim en même temps. Oh non. Attends. Vas-y. Merde! Oh, pff, c'est bon. Je comprends pas comment on coupe une mangue. La vie de ma mère, j'ai ferme les yeux! Ah, attendez, faut pas ouvrir. J'ai peur, il va mettre un rat mort. Ah! En fait, c'est. En gros, c'est un cadeau. Et en fait, j'ai mis vos têtes dessus. Du coup, il y a 4 photos de vous et un truc en plus. Et un texte. Ah oh, putain. Du coup, tiens. Ah, et tiens. Ok, je croyais que t'allais. Et on pouvait ouvrir. Oh, Gris! Oh! Du coup, il y a 4 photos de vous. Oh, c'est incroyable! Il y a 4 photos de nous là? Oui. Non, mais pourquoi il y a écrit quoi coup moche là? Non, mais vas-y, il y a écrit quoi coup moche? Frère, t'as... Ah, le petit. Ah, mais oui, c'est toi? Mais non, mais pourquoi il y a un chien? Mais c'est pas un chien. Non, mais... C'est pas un chien, c'est... Déjà, il écrit quoi coup moche en bas et il y a une tête de chien. Moi, j'ai... Pas ce bordel. Toi, t'as eu un gros chien moche qui bave et moi, j'ai eu Charles Leclerc. Attends, mais... Let's go! Ah, bon, merci, c'était macarons. Par contre, pour mes degrés, c'est incroyable. C'est ma nouvelle entreprise. Je propose des macarons personnalisés. C'est vrai? Oh, pose ça là. Ouais. C'est vrai? Oui, j'ai ouvert ça il y a de ça quelques semaines. Mais il est fort celui-là. Voilà. Putain, mais là tout marketing. Comment elle s'appelle ta boîte? No Sense, aucun sens. C'est trop bien! Que ça a aucun sens. Et. Ah putain, mais c'est. Pour de vrai en plus, premier degré, ça s'appelle No Sense. C'est trop merci, cool. En vrai, ça a beaucoup Merci plaisir. De fou! En plus, ils sont bons, j'imagine. Bah ouais. Enfin, après, à ton média. Après. Moi, je suis sûr, ils sont délicieux. Me calerai pas sur ton avis au vu de ton palais. Oui, c'est ça. Où tu veux en venir, mec? Franchement, juste. Et franchement, le bouillon de bœuf dans le chocolat, je comprends pas comment tu peux aimer ça. Hein. Non, c'est un truc. En fait, j'ai un passé, j'ai un vécu que vous n'aurez peut-être jamais dans le. En fait, là, la vie de ma mère, les gars, je vous demande par pitié, je veux pas gaspiller cette mangue, je comprends pas comment on prend le fruit de la mangue. Dis quoi le chat? Peut-être qu'ils savent. Le bouillon dans quoi? Palais de Doberman. Qui coupe une mangue comme ça? Mais gros. En long? Ah ouais, là, ça se concentre. Comme ça? Ah, mais j'ai un petit noyau, là. Tu fais quoi, Grim? Un petit smoothie kiwi. Elle est pas mûre? Kiwi banane. Pourquoi tu fais comme Max? Attends, mais elle est pas mûre. Quoi? Comme Max? Il prend les mêmes fruits. Ah ouais? Bah après, il y a... T'as pris les mêmes fruits, là. Après, il y a pas 25 fruits non plus. Hein. Je suis pas copie-comique, hein. Arrêtez. Juste, il y a... T'es copie-comique de ouf. Non, mais il y a... Il y a pas non plus 28 fruits différents, quoi, à un moment. Ok. Oh, par contre, je suis en train de. Oh, je crois que je m'en rajoutais une petite mangue après. Ah ouais, t'as eu l'idée comment? De refaire une mangue? Je sais pas, j'ai pensé comme ça. Ah, t'as pensé comme ça, genre? Oh. Aïe. Maxime, tu peux lever la tête. Après, c'est un peu de la triche. Oh, waouh! Mais c'est comme ça qu'il fallait couper une mangue! Ah ouais, non, mais je préfère ma technique, pardon, par contre. Après, moi, tant qu'il n'y a pas de peau, ça me va.
Ah, il n'y aura pas de peau, t'inquiète. Alors là, il n'y aura pas de peau. Nickel. Mais il paraît qu'elle n'est pas mûre cette manga. Après, c'est pas grave, les gars, c'est un smoothie. Ça va être broyé dans la masse. Est-ce que je peux avoir, chef? Rien. Rien du tout, en fait. Parfait. Là, je te rajoute. Attends, t'aimes pas la peau, c'est ça? Ah. Ah, mais ouais, ah, putain non, c'est pas mes bails. Est-ce que vous aussi, l'acidité des fruits, vous brûle les doigts, là? Hop. Voilà, je suis en train de piquer. Pourquoi tu mets du hop? Regarde pas ma recette, par contre. C'est un truc de ouf de... Oh, c'est le meilleur, celui-là. Bah oui, frère. Mais évidemment, on se comprend. On se comprend, il a rien compris. T'as pas d'originalité, frère. Prends ta propre recette, un peu. Oh, c'est pas... Non, je suis sûr, faut t'en mettre une, toi. Putain, il y a un moment. Ah, mais il y a des fraises. Eh, toi, je vais te faire un... Je vais te faire un tutti frutti. Oh, mais il y a un ananas. J'ai de la couleur, j'ai de la couleur. Ah, mais il y a un ananas, j'avais pas vu. Eh, d'ailleurs, attendez, regardez. Mais c'est censé mixer, attends, ça? Non, regarde, j'en choquais plus d'un. Mixeur. Parce que là, les gens, ils se disent, mais un ananas, mais tu le coupes comme ça? Juste pour moi, ça manque de fruits. Après, je dis ça, je dis rien. Ouais, je suis d'accord, ça manque de fruits. Ah, toi, t'as regardé Life Hack. Ouais, mais ça, vas-y, Life Hack, ça galère quand même. Hein. Life Hack, tu fais ça. Wesh, il met des patates dans l'ananas. Non, mais là, tu vois ton smoothie, là, attends. Oh, c'est incroyable, vraiment, ça. Incroyable. Ouais, incroyable. Ça marche vraiment? Ça manque de juice, mais il y a un vrai truc, hein. Attends, mais je crois que je suis en train de faire le smoothie de l'année, par contre. Hop. 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 Hop là. Mais moi, mon mixeur, il mixe pas, je crois. Il est fatigué. Pris un blender. Hop. Blender. Yes. Let's go. Tac. Ça, je connais ça. Oublie pas le capuchon. Hein. Évidemment. Aucun problème là-dessus. Eh hey, mais le jus de l'ananas par contre, hey, excusez-moi, ouais, je vais te régaler. Hein. Ah! Les gars, regardez. Hop. J'ai raté, c'est pas... Je pense que ça c'est des mythos en vrai. Non, mais tu... De toute façon, ça c'est des raisons. Vraiment, tu penses... Faut jamais croire... Quoi? Comme ça, vraiment, tu penses que... Comme ça, et puis tu sors comme ça, comme un bâtonnet. Faut jamais croire les réseaux sociaux de toute façon. Hop. Ah, tu vois, en vrai regarde, il y a une vraie part d'ananas là. On peut défourner ou... ou que les petits? Que les petits, je l'ai, le même là. Hop. Attends, c'est assez cuit là? Bah, je sais pas. Il me faut un verre. Un verre? Il faut un verre, chef. Je vais chercher ça. Merci, chef. Frère, Il est éteint. Il va puer sa grand-mère. C'est... Il va le boire, il va vomir partout. Ah, c'est l'enfer. Heureusement, le seul moyen de le sauver, qu'est-ce que c'est? Mais c'est ce délicieux Yop. Miam, merci Yop. Merci Yop de nous accompagner. Vous pouvez retrouver tous les Yop partout, bien sûr, hein, dans tous les supermarchés. Évidemment, bien évidemment. Waouh. À toi de choisir. Ordonne, s'il te plaît. Y'a pas de piège. Attends, ça se cuit, hein, ce coup-ci? Non, tu l'as pas cuit, là. Il est con, quoi, celui-là. C'est quoi cette voix, là, tout à fait? Eh hey, ça a été fait pour ou quoi? Mec, toi tu crois que je rigole? Mais frère, j'ai pas fini encore là. C'est le talent, il a la... Maintenant tu vois, il a travaillé les hectogrammes, des cagrammes. Mais maintenant, bien sûr il connaît à peu près les... Eh hey, mon gars, tu fais du sport ou pas? Ah ouais. Et là je te fais une dose de protéines, de ressources naturelles là. Oh, aïe. En plus il a une belle couleur hein. Là tu vois. Je sais pas ce que t'as mis dedans. Ananas, kiwi... Un peu de job. Eh. C'est quoi c'est? Eh. C'est toi ou quoi? Ah. On voit pas la cam. C'est marrant, Grom.
C'est écrit Grom sur le truc. C'est une galère, vas-y montre à la cam, montre à la cam, montre à... On a pas vu ta blague, aïe, trop drôle. Aïe, je suis en train de cramer, je suis en train de cramer de froid. C'est collé. Hop. Chef. Je vous prévince, El Smoothie del Diablo. C'est un smoothie donc qui est composé de tous les nutriments essentiels. Non mais t'as mis un truc là. Hein? Mais c'est quoi ces gouttes rouges de quoi là? C'est quoi ça? C'est quoi? De quoi? C'est quoi ces gouttes là? Il est cringe. Non mais il m'a mis. T'es bizarre mec. Il m'a mis du paprika là. Arrête d'être bizarre comme ça. Non. Tenez chef. Ouais. Petit smoothie, banane, mangue. Et en vrai, jus de framboise. Petite fraise pendue. Ah, il a pensé à mettre les glaçons. Oui. Chose que j'aurais pas fait. Moi non plus, on me l'a dit dans l'oreillette. Non, mais justement, c'est très bien. C'est très bien. Bah oui, c'est très bien, j'y ai pensé. Non ! Bon, on va goûter ça. Oh, c'est dégueulasse. Ouais, je te remonte à gober ça. C'est délicieux. Yes ! Attends, c'est vrai. Attends, j'ai pas fait moi. Non, premier degré, c'est hyper bon. Oh, let's go ! Let's go ! Let's go ! De la mangue, de la fraise, de la banane, yop framboise, glaçon, petite feuille de menthe pour le petit atout sexe, un petit peu sexy. Hop. Ok, du coup, c'était bon ? Attends de goûter à mon... Attends, non, j'ai pas fini. Il y a du travail aussi. Y a... Mais en fait, j'ai juste copié, en fait. Mais t'es un malade ou quoi ? J'ai mis des trucs différents ? Il y a plus beaucoup. Il y a combien d'épreuves là? On est à combien? Il reste combien de temps? Ouais, pas perdre de temps. Il reste 5 minutes, ok. On commence à ranger et défourner. Tiens, et... le fettuccine avec du kiwi, de l'ananas, saupoudré de glaçons. Et en vrai, petit morceau de pépin, petit ananas. Ouais, mais l'ananas, il a copié, c'est un copieur. Franchement, ouais. Pénard. Là, je suis en vacances. Ouais, non, franchement. Ah non, plus qu'à goûter. Ah, mais t'as. Ouais. Bizarre un peu. Mais tu mets de la prote là, non? C'est quoi? C'est bizarre ça. Il s'est coupé le doigt quoi. Non mais t'as... Wesh. On t'a vu t'as mis quoi dans le on truc? On t'a vu sortir une pastille de ta poche là, c'est quoi ça? T'as mis quoi dans... Ah, Burk. Ah. Vas-y, mais goûte, c'est un rapport. Burk, ah, ouais. Il s'est mis dedans. C'est un peu de surhumain, mais ça rajoute de la nature, de la réalité dans ce smoothie quoi. Je pense. Bah ouais. Ça deg frère, ça deg ce que t'as fait. Non, mais c'est du gâchis. Non, mais... Ah, c'est de la menthe. Ah. Non, mais moi je mange, je peux. Mais c'est une tortue, Herman. Mais ça se mange de la menthe. Mais et regarde. Eh franchement ça dég ce que non, t'as mais, fait. Je suis d'accord c'est bon mais. Oh ouais je t'ai mangé ce qu'il a recraché. Waouh mais tu recules devant rien. Mais il a recraché à côté. Mais t'es un klebs de ouf. T'as recraché à côté. Non. On met pas des morceaux de menthe comme ça genre. Vous mangez pas de menthe? Je fais un sourire, j'ai de la menthe. Ouais, t'as de la menthe partout. Mais non, mais t'es un klebs de malade mental. Parce qu'il allait gâcher. Oh, moi, le klebs de fou bâtard. Il allait gâcher. Je suis choqué carrément. Ouais, bien vu. Bien vu, Grim. Là, on commence à ranger. Et comme ça, on va pouvoir attaquer le dressage. Attends, en vrai, c'était quoi le meilleur smoothie? Mais. Tu veux vraiment la réponse là? Non, juste, moi, je suis pas là pour le gâchis, quoi. C'est tout, les gars, sérieusement. Bah, en vrai, je crois que ça a fait la diff de mettre du yop framboise. Bah, gars. Et la menthe, ça. Hein. Par contre, visuellement, je préfère. Aïe! Je préfère le tien, Grim. Visuellement, il était top. Ah, avec tu vois et tout. Attends, attends, faut pas. Ouais, un torchon. Maxime, donne ton t-shirt là, c'est un torchon tout pourri là. Ouh, bon lancé! Merci. Oh! Tu sais que ça ressemble à quelque chose tout ça? Oula, ça a gonflé. Attends, c'est bizarre là, non? Il y a un petit côté volcanique. Juste fais gaffe, le plan de travail, peut-être, t'as vu, il va fondre. Peut-être. Non, je pense qu'il y a de la marche quand même. Ah, ok. Vois. Si c'est costaud. Ah ouais, tu penses que ça peut fondre? Non, je sais pas. Je suis en train de te faire un truc de malade. Ah, mais c'est pas chaud en fait, je peux toucher. Il est en train de dégommer mon smoothie pendant que le tien est... Non, en vrai, il est hyper bon. Je sais pas si t'as goûté. Non, je goûterai jamais. Ah. Ah. Oh, Maxime. Ouais. Maxime. Ouais. C'est Squid Game ou quoi? Fais la forme, sinon, gare à toi. Plutôt parapluie, la team, ou... Parfait. C'est chaud, ça? Ouais, faut que ça refroidisse. Ok.
La team, regardez-moi ça. C'est rond, c'est parfait. C'est un peu moelleux. C'est sablé. C'est sablé. Je goûterai à la fin. Ouais. Mais. Sur ma... Donne ton pot de reste là. On fait un pot de reste ensemble ou. Parce que ça, tu vas le manger ou pas? Mais mon reste, il est trop bon, frère. Je rigole pas. Attends. Est-ce que je peux mettre un peu au frais, chef? Ouais, 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 c'est conseillé. Bon, enfin, j'ai un peu au frais, hein. Même l'autre congèle, tu sais, qui est un peu. Carrément plus... le vrai. Ouais. Bien, chef. Tu veux y aller? C'est un peu chaud quand même, fais gaffe, hein. Touche par l'eau. Ok, je vais récupérer. Ah, bah tiens, je vais récupérer ma ganache. Ah, je vais récupérer ma ganache. Là, ça va être du béton. Ouais, j'avais oublié un peu ça. Enfin, j'ai pas vu comment il a fait pour. C'est celle derrière, mon ami. Hop. Cimer. Attends, mais t'as mis quoi dans le smoothie là? T'as mis du poivre ou quoi? Non. Non, j'ai cassé mon rond. Ok, c'est vraiment du béton. Je l'ai dit. Ouais, mais au moins, je peux faire ce que j'avais à faire. Oh, attends, non, mais celui-là, hé, les gars, regardez. Regardez celui-là. Ok. Ouais. ASMR, là, c'est en mode satisfying, vous restez sur le live. Ah, c'est chaud. Bon. Maxime, il est où ton galet? Je te dis pas, frère. Je te dis pas. Attention, pardon. Casse-toi. Casse-toi fast. Hop. T'avais dit la crème fallait qu'elle tienne quand même, hein. Toi t'avais carrément retourné ton truc dans la vidéo. Mm. Ça tient. En vrai, si tu qu'elle ça on va le retirer parce que c'est de l'eau. Ah ok. Mais je voudrais changer de plat pour le montage en Y. Pour ça, pour que j'ai plus de place. En Y? Oui. Pour quand je vais la mettre en Y, faut que j'ai plus de place que ça. Ah ouais, 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 carrément. Et en vrai, parce que faut mettre, faut mettre au frais aussi, il non dalle, il a tapé la croûte. Ouais, il a mangé tout. Attends, mais Grim, tu fais tout comme moi. Fallait t'as coupé en rond toi aussi, t'as fait tout comme moi. Ça m'énerve ça aussi. Mais c'est normal. Fais pas tout comme moi, frère. Alors, t'as mis dans une assiette ou t'as laissé là-dedans? Mais je te dis pas. C'est bon lui aussi. Mon carnet. Ah, le fameux, il est important celui-là. Le carnet. Chimère. Est-ce qu'il faut que je rajoute un truc dans la ganache? Crème, fin. Je crois pas. Franchement, là, comme ça, je crois pas. Oh, Oh, bon. Faut que je monte en neige. Ah, avec le fouet. Ah. Avec le fouet. Le fouet. Avec le fouet. Y a pas un autre fouet là qui traîne. Y a pas un autre fouet. Ah, mais c'est à ça que ça sert les bords. Ah, bien vu, gros. J'aurais pas pensé, hein. Fais chier, ce mec. Y'a pas un autre fouet, le manger. Là. Ouais, je vais devoir laver. Je vais devoir faire la vaisselle, je suis dégoûté. Mais t'attends, mais... Je viens de capter qu'il y avait ce que je cherchais tout à l'heure, mais j'en ai plus besoin maintenant. Tu cherches quoi? L'applique pour faire le rond. Quoi? Hop. Non, t'as fait un regard marrant quand même quand j'ai... Non, mais je... Mais y en a beaucoup de la crème, là. C'est waouh, tu vois, genre... Ouais, c'était pas mal, en vrai. T'as fait un regard galerie, quand même, on dirait. J'ai vraiment fait une connerie, genre. Non! T'as juste transvasé un vase dans un vase. T'as rien fait de plus. Ouais, c'est vrai que c'est pas très utile, en vrai. Non, j'ai pas dit ça. On y est. Ah, c'est pas beau ce qui se passe ici. Putain, je suis en train de me dégommer. Attends. J'ai trop mal. Fallait pas faire ça. Comment on sait quand c'est bon? Quand tu peux le mettre sur ta tête comme ça. Ah, ça veut dire là c'est en train là. Non mais. Ah ouais, faut avoir des grands bras, hein. Ah, je peux pas le mettre sur ma tête là.
Mais ça va prendre longtemps? Ça va prendre longtemps? Ouais, à ce rythme-là, ouais. Mais comment ça, à ce rythme-là? Mais attends, on va t'aider. Le chrono, ça en est où, s'il vous plaît? Ah, mais il y a la machine, mais attends, non, je la veux bien avant. Ouais, ouais. Merci. C'est de la triche. Ouais, ouais. Non, franchement, je demande de la VAR, en vrai, pourquoi lui, il y a le droit avant moi? Frère, t'avais qu'à être au même endroit que moi, à ce moment. Mais je suis au même endroit que toi. Frère, ça donne quoi, toi, Grim, de ton côté? J'ai mis la crème, là je bats et j'ai mis un peu de boue, je sais pas pourquoi. Parce que j'ai vu lui, il y avait des bouts. Du coup, ça vient d'où ça? Ah, il y avait des morceaux. Ouais. Du coup, t'as mis quoi comme morceau? Oh, mis attends. Des morceaux du reste là. Ok. Eh, ça sent grave le yop. Eh, c'est bizarre, je vois pas quoi d'autre comme morceau mettre, c'est ça le problème. Oh, ça sent trop bon. Peut-être on met du chocolat, mais je pense pas. Steph, je crois que j'ai fait un classique de la premier degré. Je crois pas. Je te parle sérieux, je crois que j'ai fait un classique. Attention les gars, il reste plus qu'une dizaine de minutes. Wouah. Ah, hein, hein, ah, pas mal. Ah. Non mais voilà, au réel c'est de la triche. Là c'est un peu, en fait, c'est un peu comme les IA contre l'être humain. Regardez, moi je suis l'être humain et lui c'est l'IA qui remplace petit à petit l'être humain. Moi je trouve ça triste. Je vais te le donner, je vais te le donner. Je trouve ça quand même vachement triste à voir ça en live. Ah tu vois. Pardon, j'ai pas entendu ce que vous avez dit dans l'oreillette, j'avais. Ah, il y a vraiment un deuxième batteur juste derrière apparemment, derrière le blender. Ouais, c'est très bien de le dire avant. C'est quoi le blender? Ah ouais. Parce que Bender, c'est le mec dans Futurama, hein. Là. Grim a pas déployé son fouet, je poucave. Déployer son fouet? Eh, hey, 19... Oh! Eh, hey, lève les mains! Oh, oh, oh. Non? Ça, c'est dangereux ou pas? Ben, bah, ouais. Fais gaffe. Pense. Ok. Vas-y, mais qu'est-ce que tu fais là? Pardon. Ouais, ça manque un peu. Ça manque, hein? Ça manque un peu. Bon, le chat, c'est comment? Vous pensez que c'est qui là qui est devant? Moi, je pense que je suis pas mal là. Là Grim, il fait des bulles. Ça a dit. Il fait des bulles. Mais en gros, les gars, après les bulles vient le beau temps, ça va devenir de la crème et là, ça va être. Mais ça peut monter en neige là ou j'ai raté un truc? Bah là ça commence à épaissir. Regarde par rapport à Green qui a commencé il y a 2 secondes. Oui c'est vrai. Voilà. Après Green il avait 700 litres. Eh gros, tout le monde dis-moi, ouais, c'est une dinguerie. Ah ouais? Pourquoi tout le monde dit toi? Tu penses à combien de monde? Moi je pense qu'on est genre, je pense qu'on est 150 là. Je sais pas frère. Là en tout cas niveau timing on est parfait. Il reste quasiment 10 minutes. 10 minutes pour le dressage quoi. Exactement, moi je vais m'en aller quand vous avez commencé à dresser. Ah ouais? Comme ça, on les met. Ah, on est livrés à nous-mêmes, genre. Exactement, comme ça, on va les mettre sous cloche et. Oh. J'aurais. Mais c'est. Tu te rends compte ou pas qu'il y a des mecs? Il y a des mecs qui meurent de faim! Toi, tu fais ça! Je fais quoi? Gâcheur de nourriture, va! Mais de quoi tu parles? Mais tu crois que je t'ai pas vu là? J'ai pas gâché, t'es un ouf, toi! C'est une. Arrête de dire ça! Juste, t'es taché toi-même, gros dégoûtant, va! T'en profites pour me coller, on dirait! Mais non, c'est pour nettoyer, gros dégoûtant, va! Hey, en vrai, encore un peu. Pochi. C'est comme ça qu'on dit encore. Ah si, mais là, pourquoi? Ouais, exactement. Pochi. Tu dis comme en français, mais avec. Mais attends, mais on est d'accord, okay. C'est en durcir. On dirait que je fais une vidéo de super connerie là. Allez là, durcis-toi ma gueule. Ok, let's go. Faut prendre la poche à couilles. Elle est où? Pardon. T'en as pas marre! Pardon, j'ai pas fait exprès. T'en as pas marre! J'ai pas fait exprès. Il faut couper et après sortir. J'ai fait l'inverse, ça arrive. J'ai pas fait exprès. Pardon. Bien. Elles sont bizarres ces poches à douille. Ouais, un peu, ouais. Ok. Alors, maintenant. Maintenant, il me faut un ciseau bah, ou ça comme ça. Un couteau qui coupe. C'est pas grave, s'il n'y a pas de ciseau, en vrai, de vrai. T'as fait le test? Voilà, test validé pour Max. Plus qu'à Grim maintenant. Non, je peux pas faire ça, j'ai trop de cheveux. en plus, ça se durcit pas là, c'est trop long. Bon, n'oubliez pas votre sablé. Mon sablé, c'était vrai ça. Ok. Jeff, est-ce fait, qu'on a une. C'est que la gélatine, tu l'as mise, mais tu l'avais pas hydratée. Ça veut dire en gros, tu l'as mise, mais elle fait pas son pouvoir.
de gélifiant. Ah. Ça veut dire ça... Tu peux la mettre maintenant, c'est trop tard. Non, en vrai, ce que tu peux faire pour attraper comme... et quand même pour pouvoir pocher quelque chose, tu prends un cul de poule. Enfin, un ramequin. Il y a un coq dans la salle ou c'est... Prends ton truc. Ouais. Voilà, okay. Tu mets ça, tu mets un peu de sucre. Voilà, on est bien. Parfait. Hop. Un peu de diable pour la forme. Hop. C'est une vraie recette qu'on se fait là. Et là, tu m'as mixé. Et là, c'est reparti. Normalement, ça va monter. Attention à pas trop monter. Je veux pas du beurre. Ouais. Sinon, ça va pas le faire. Ça va pas être bon. Oh là 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 là. On fait la chantilly. C'est exactement ça. Ah il a les refs. Il a les refs. Eh ouais, cuistot hein. Mais il a lâché sans chantilly, Zerma il a lâché un truc de ouf. Mais quand t'as trop le seum toi, arrête de rager gros. Tu voulais pas un tuto genre? Un tuto? Ou... Mais pas du tout. Ok. Pas du tout. Eh tout le monde mais Zerma. Elle lâche ta morcine. J'ai le droit, je suis morcine. Tu n'es plus morcine. Si. Faut juste que je fasse la mèche blonde. Minutes, je reste encore une minute et après ciao. N'oubliez pas votre sablé au congèle, pas que ce soit parce que j'ai pas envie de manger un truc congelé quand même. Ah oui, non, carrément, ouais. Ouais, mais ça sort par l'eau, c'est censé sortir par le bas normalement. Ouais, c'est sorti par l'eau, moi. Ouais, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Tourne. Enfin, ouais. Genre la plante, elle a demandé. J'en ai pour tout le monde ici. Elle est pas là, ma pâte. Comment ça, elle est pas là? Elle est pas là, ma pâte. Bah, va la chercher. Oh. Ça commence à... Ouais, tu vois... Cimère. Là, tu vois, ça commence à plisser. Chef, est-ce que vous les assiettes, s'il vous plaît? Les assiettes? Oui, s'il vous plaît. Vous savez ou pas? Je peux t'en trouver, ouais. Ah, devant la cam de l'autre côté. Ouais. Il est lent, elle est lente, cette crème, hein. Mais là, ça monte. Mais frère, t'as fait de la dé, je crois. Je lui ai fait du coup. Mais non bon. Dans 30 secondes, c'est bon, ça. Ça, vous le chat, sinon vous êtes posé, vous êtes où? Vous êtes dans vos canapes, devant votre ordi, vous êtes où? Arrête, je me demande, les gens, ils regardent les lives. Ils sont un pagnon. Quoi, coupé? Non, je referai pas. Non, refais pas, une fois ça suffit. Attends, faut que j'enlève ça. Lit? Ouais, ils sont tous dans leur lit! Chiotte. Ordi. Meuble. Comment ça, meuble? C'est pas un lieu? Mais ils sont tous dans leur lit, wesh! Hop. Je suis choqué! Gims. T'as fait Gims, là? Ouais. Merci vos petites assiettes. Merci beaucoup, chef. La petite pour le petit, et la grande pour le grand. Ouais! Voilà. Merci beaucoup. Bon, allez, à tout à l'heure. À tout. Allez, chaud. Surprenez-moi. Bien sûr, avec plaisir, chef. J'aime quand c'est... Ouais, vas-y. Ok. Eh, hey, j'ai un connard. Connard, elle, elle est trop la boca, deux ça y est, heures. Ça y est, le connard. Deux heures, il nous fait le H-Bust. Ouais, ça y est. Ça y est, Xavier Pincemain. Oh la dinguerie. Eh, mets ta tête deux secondes. Non. S'il vous plaît. Non. Qu'est-ce qui se passe? Oh la dinguerie. Ça va, toi, sinon? Elle me parle pas, gros! Oh putain, elle me parle pas! Eh, hey, il reste 3 minutes, on pourra gratter du temps ou pas? En vrai? Non. Ah merde. Attends, il reste vraiment 3 minutes? Eh, hey, gros, il reste 3 minutes 20, je suis trop dans le big caca, frère. Bah, t'es mort, toi? Mais non, attends! Hop! Oh Mais moi, il y a des trous, ça pète. Ah, nique sa mère. Hop. Force à nous. J'ai senti, là. De quoi? J'ai senti ce que t'as fait. J'ai fait quoi? J'étais à mis de l'eau. Mais non, dans la tête, ça. T'as mis de l'eau dans la tête. Merde, j'étais de l'eau, pardon. T'en as mis sur la cam? Non, j'ai pas pardon à toi, je dis aux gens. Ouais, je me disais bien.
Mais toi, c'est bon, c'est de l'eau, ça va pas te tuer. Ah, les gens, oui, genre. Faut que j'aille chercher mon machin. Ah, c'est bien. Oh putain, j'ai un pied classique. Merci. Je suis en train de plier un classique, là, je suis en train de plier un énorme classique. Alors, tac. Elles sont où les poches, là? Elles sont là, je crois. Elles sont où les poches, Max? Là, au-dessus. Tiroir ah, au-dessus. Oui, oui, bien vu. Putain, je t'aide. C'est quoi, ça? Ça me non, dit... mais là, c'est pas m'aider, juste c'est le B.A.B.A. Faut aider son... T'as niqué toutes les poches? Non, j'en ai utilisé qu'une. Ok, c'est bon. Comment c'est long? Oh, c'est ça? Attends, ouais. Oh, je suis en train de plier un classique. Je suis en train de plier un classique. Il est pourri ton machin. Hein. Hop. Mais attends, non, mais je m'évade de prison, quoi. Hop. Oh là 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 là. Oh là là. Oh putain, Grim. Je vais t'éteindre. Ça doit être ça, ouais. Je vais t'éteindre, frère. Arrête ça, gros, t'es foutu. Attends, y'avait autre chose. Attends. Comment on fait? Attends. Il reste une minute, mec. Attends. Vite. Envoie un cul. Bon, c'est pas grave, je pense ça. Tu me déranges, là, attends. Putain, merde. J'ai pas le temps pour la touche. J'espère que ça va marcher, je sais pas du tout. Wesh, tu fais quoi? Ça marche. Ok, 25 secondes, Grim. 25 secondes. Vite. Wesh, j'ai bavé, mais pas sur le plat. J'ai pas de cri. Voilà, voilà, d'un cri. Non, il va s'énerver, là. Stop, c'est fini. Lève. C'est fini. Time. Non. Non, mais laisse-moi venir, attends. Il est où, pourquoi? Frère, j'ai pillé... Steph, s'il te plaît. Attends, est-ce qu'on peut amener le tourne-plat? Le tournicotis? On va faire des... Je vais vous montrer un petit peu le chat, c'est le moment de voter. Malheureusement, il a vomi dessus. Celui de Grim est mieux. Ok. Ah, y a Grim, y a Dorian qui revient. Ben vas-y, passe-moi les... on met les cloches sur le côté. Oh, j'ai plus un classique, tu fais quoi, toi? Non, mais je t'en supplie, frère, j'ai même pas mes fruits, wesh. Attends, mais faut pas y spoil, hein. Mais frère, je suis en train de... Attends. Wow. Carrément, je suis obligé de faire une story, là. Regarde ça. Regarde ce que j'ai fait. Regarde, il y a un morceau là qui est pas normal, mais à part ça, comparé pour info. Pour info, comparé. j'ai pas fini moi. C'est une dinguerie, hein. On va goûter, hein. Oh, let's go. Oh, l'Inception, regardez, je fais une story en live. C'est un classique. Je suis en train de faire un classique. Là, il a plié un classique, là. Mais t'as vu les petites pointes ou pas? Les petites. Tous, ouais. Petites pointes de crème. Attendez, est-ce que vous êtes chaud? On branche la tournette. Ah, tu l'as? Merci, Daphné. Parfait. Oh, mais j'en ai mis partout. C'est passé quoi le temps de la décoration? En fait, je voulais faire absolument le jus, moi. Ah! Et j'avais oublié comment. Et du coup, j'ai pas réussi à faire bien le jus. Attends. Bah oui. T'avais dit ça? Non. Ah bah allez. Allez. Moi, j'étais censé savoir. Moi, je l'ai vu, mais je l'ai pas dit. Mais ma tarte, elle est pas dégueu. Mais en fait, je suis curieux de voir si ça a le goût du yop vanille, en fait. Je vais goûter. En tout cas, la texture a l'air pas mal. Franchement, ça a l'air pas mal, non? J'ai pas commencé à débrief avant même d'avoir goûté, mais... Mais c'est incroyable!
De quoi ? Ça a le goût du yop de zinzin. De quoi ça ? Touche pas à ça, Grim. Oh ! Je suis encore... Wesh. En tout cas, félicitations. Quand même, 1h30. Ouais. Le rendu a l'air plutôt pas mal. Pas mal le rendu, bon. Non ? La crème tient et tout. Ouais. Le sablé a l'air bien croustillant, bien sablé quoi au final. Ouais. Qu'on recherche. Ouais. Et visuellement, c'est créatif. C'est créatif, il y a quelque chose, non ? Il y a des choses, qui se sont passées. C'est créatif. Des deux côtés, il y a des propales, hein. Il y a un truc qui s'est passé, ouais, qui... Et au niveau du plan de travail aussi, il y a quelque chose qui s'est passé, genre Verdun, genre... Non. Attends, on est d'accord ? Il y a une présente... Verdun ? Non. 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 Ouais. Non, plutôt les 30 glorieuses. Ok, genre. Alors ce qui va se passer, okay. Ce qui va se passer maintenant, c'est qu'on va présenter nos deux assiettes au chat et vous demander le chat de voter de 1 à 5, ok ? Vous allez voter de 1 à 5 chaque assiette et ensuite Dorian va faire la même. On a la tournette ? Parfait. On peut la brancher ? On peut la brancher ? Attends, est-ce que nous on peut parler en présentant l'assiette ou pas en mode, oui. Tu sais, elle a du storytelling, okay. Oui, je pense qu'il y a un storytelling qui se fait. Je vais mettre là. On met là au milieu ? Ouais, le truc c'est que moi Dorian, je préfère finir un gros parti pré-artistique comme genre. Ça peut choquer plus d'un, mais... Plutôt art abstrait, quoi. Ouais, abstrait. Merci. Mais il y a un message politique qui dénonce derrière, mais... Ah, ok. Je développerai quand ce sera à moi. Il y a carrément un message politique, genre ? Ouais. Alors, comment ça marche, la crêpière, là ? Ok. Ça doit se brancher quelque... Ok, alors il faut dégager tout ce qui est devant le plan de cam. Mais les gars, on en a pour une heure, là. Mais non, regarde. Sinon, ça va. On y est presque. On y est là. Ok, c'est bon, on est bien, les gars. C'est bien, ils disent. Ok. Vous êtes prêts ? Ah, j'aurais bien mis une petite cloche. Attendez, il me faut une petite cloche. Ah, bah ouais. Ça, c'est le côté un petit peu artistique. Ouais, exactement. Je prends ma cloche, moi aussi. Quand vous êtes prêts, je suis prêt. Bah écoute, on est prêts, hein. Bon, pour voir le fiasco. Bah, c'est quoi ce truc ? Aïe. Pourquoi tu t'es même pas acheté à voter ? J'ai pas réussi, je voulais voter pour moi. Dorian, laisse-moi te présenter... Attends, regarde, quand il y a ton reflet, ta tête, elle est gonflée. Mais demain, je sais pas sans savoir la surprise. Bah tu l'as, là. Tu l'as, on sait pas ce qu'il y a sous cette cloche. Ah, bah oui. On sait pas ce qu'il y a sous cette cloche. Dorian, oui. Laisse-moi te présenter la forêt... Elle a un petit nom. La forêt ouais. Des 30 glorieuses. Comment tu sais ? Mais vous êtes des copieurs, c'est moi qui dis 30 glorieuses. Vous la forêt des 30 glorieuses. Waouh. Cette tarte, c'est un petit peu plus qu'une tarte. C'est un bout de moi, un bout de ma vie. Ok. On y voit une fraise au milieu, comme un espèce de chantier, un gros caillou dans la chaussure. Quelque chose qu'on a envie de se débarrasser, quelque chose de sale et moche. Cela représente Grimm. Autour, il y a la rivière. C'est quoi cette rivière ? C'est la rivière des poissons. Qu'est-ce qu'il y a dans les poissons ? Grimm, tu joues le poisson. Oh, la carpe. La carpe. Oh. C'est en fait, finalement, un témoignage de mon amitié envers Grimm. C'est de l'amour. Tu me traites de moche. Tout autour, il y a tous les flops qu'il a fait. Donc ça, c'était quand il a dit les schtroumpfs dans le truc avec Kev. C'est pour ça que ça ressemble un peu comme une petite merde. C'est un peu de la merde. Ah, ouais. Exactement, c'est un peu de la merde. Ouais, c'est bien de la merde. Ouais. Et okay. Ensuite, il y a quand même, parce que il est quand même un peu sympa, une pointe quand même de gentillesse, de légèreté, okay. Qui vient sublimer un petit peu le plat et qui donne cet aspect un peu vague et un peu sexy au plat. Ok. Donc, ensuite, ici, t'as ce qu'on appelle la tâche de merde. J'ai pas la tâche de merde. Et sur son lit de sablé, gourmand et croquant. Bien sûr, c'est une ganache faite avec du yop vanille pour sublimer encore plus le goût. Et bah franchement, déjà, je suis séduit par le storytelling. Merci. Franchement, déjà, ça me donne envie de taper dedans. Oui. Qu'on se le dise. Vous allez taper dedans ou... Après, ah oui, d'abord il y a l'autre. T'as de la crème là. Où ça ? Partout. Arrête de ganache. T'as vraiment de la crème partout. T'as y a, vraiment y a de la crème. Il n'y a pas de partout. Crème. Ok. C'est à moi ? À ton tour. Bon, attention, je préviens. Fais-moi rêver. C'est un parti pris. Ok. Ingé son, t'es prêt à lancer l'instru ? Il y a un instru ?
Tu sais la musique quand je lance le truc quoi. J'y vais ? Allez, fais-moi rêver. Attention, franchement, sortez mouchoir. T'as tard de ta vie, hein, t'as dit. Je vous présente l'effondrement de notre monde. Qu'est-ce que ça représente ? Là, vous voyez, qu'est-ce qu'il y a ? La bataille. La bataille autour de quoi ? Du Yop Chantilly, parce que c'est délicieux. Et qu'est-ce que c'est délicieux ? Le Yop Vanille. Ça apporte tout. Ça apporte tout dans le monde, du coup. Tout le monde se bat pour. Mais qu'est-ce qu'il y a ? Il y en a. Ils ont plus de chance que les autres dans la vie. Regarde, toutes tes petites fraises. Ouh, toutes tes petites fraises. Elles sont là, elles sont nées. Elles avaient déjà assez de Yop dans leur vie. Du coup, elles sont très très bien. Et là, qu'est-ce qu'on voit quand même parmi toutes les fraises ? Deux, trois kiwis. Les deux, les petites minorités de kiwis qui arrivent quand même malgré tout. Malgré si le monde est contre eux, ils arrivent quand même à surélever sur le sablé. Regardez, qu'est-ce qu'il y a ici là ? Un kiwi seul. Un kiwi seul. Une minorité qui n'a pas été écoutée, qui n'a pas été aidée, qui a été accablée par la société en fait, tu vois. Et qui a gardé en fait sa carapace. C'est ça. Il essaie de garder sa carapace pour essayer de survivre. Tu vois quoi là ? Il essaie de survivre parce que là, en fait, les petites fraises, c'est des Maxime Biaggi. Des Maxime Biaggi, tu vois, qui ont tout eu. Ils ont pas eu besoin de se battre. Ouais. Ils ont pas eu besoin de se battre pour réussir dans la vie, tu vois. Alors que là, il y a les kiwis. Ils ont monté les échelons petit à petit. Ils ont réussi un peu à monter tout en haut de l'échelle sociale du sablé. Et tu regardes toi, ajoutez-moi sur Snapchat, c'est pas Snap. Et là il y a un kiwi qui a galéré dans la vie, qui a pas réussi à monter et qui est ignoré par les fraises. Et voilà, non. L'effondrement de notre monde. La défaite. Ils l'ont sa mère. C'est ça. J'espère que j'en ai pas ému trop dans le chat, voilà c'est... Franchement on a perdu la moitié. C'est un message que je voulais envoyer. On a perdu la moitié, ça. Là, tu vois, ça me dit trop réel, ça fait réfléchir, c'est osé et tout. Je chiale, magnifique, ça en dit long. Il y en a qui ont dit ça en dit long. Bah ils ont raison, franchement ça en dit long, tu vois, je voulais pas... J'espère que ça va en dire long en bouche aussi. Bande de bâtards les votes. Bande de bâtards. Les gars, ça me fait plaisir, franchement c'est sablé d'une vie quoi. Bande de bâtards, je peux même pas mettre un, j'ai pas connu. Eh ben... Bande de chiens les et votes. Et ça du coup c'est le jus. Non, ça en gros, c'est le sang, c'est les conséquences des combats tout chaud, en haut de l'échelle. Là où les kiwis ont voulu atteindre les fraises, mais qui n'ont pas pu. Long, parce que la société a toujours été contre les kiwis. Et certains arrivent quand même à s'élever en haut. Ouais. Anti-vert quoi. C'est une dinguerie son gâteau. Ils ont raison, ça m'a ému. Bah ouais les gars. C'est quoi cette merde ? C'est une tarte, il y a du kiwi. Vu en top, elle est pas mal. Bah ouais, tu vois. C'est de la merde. C'est une... Ça coule sur le côté, c'est de la merde. T'es en train de dire que les gens qui galèrent dans la vie, c'est de la merde, c'est non, des toi, merdes. C'est de la merde. Toi, c'est ta tarte de merde là. Toi, ta tarte de merde là. Toi, ta tarte, c'est pas original, c'est nul ça, c'est vu et revu. Mais ça, il fallait faire sa recette. Mais il fallait faire la recette du chef. Table sablée, c'est la première que je vois. Ça, tu l'as jamais vu dans ta vie ça. Mais heureusement, j'ai jamais vu. C'est un particulier. Moi, je la vois, mais je me pas. Les tableaux, tu veux quoi ? Ta vieille tarte de merde là. Tu préfères un tableau que t'as déjà vu 107 fois ou une peau de banane accrochée au mur ? La peau de banane accrochée au mur, elle a 1000 fois plus de valeur. J'en ai rien à foutre de ta peau de banane accrochée au mur. T'es un gros crado toi. Non, mais c'est un tableau, c'est de l'art abstrait. Dégueulasse. Tu connais rien. Passons peut-être au goût. Allez. On commence par laquelle ? Bah celle de Grimm vu qu'elle est parfaite. Ah. Non mais je propose qu'on passe à celle de Grimm au goûter. Non mais celle vu de que les gens ont l'air de dire qu'elle est parfaite celle de Grimm. Vous avez mis 5, vous êtes des bons les gars. Moi ils m'ont mis 1. Ils m'ont mis 1. Mais non mais la tienne elle est vue revue genre. En plus les cuillères. J'ai pas trouvé une cuillère du repas. Ah ouais ? Ouais, c'était là, ok. Parce qu'à chaque fois, j'en voulais une. Attends, regarde, jaloux, rage pas Max. Merci. Mais les gars, ça fait plaisir, franchement. Mais ça rapporte 0 euros de sucer, je vous le dis direct, les gars. Si vous voulez sucer, allez sucer ailleurs. Vous sucez pour gratuitement, là. Pour oh là même pas un smic. Arrêtez de faire ça. Oh, c'est une part de fou. Moelleux, hein. Regardez-moi cette merde. Non, mais t'es en train de. Ça tient pas ? Ça découpe pas. L'effondrement de la société, tu vois. Ça tient pas ? C'est bizarre un peu, on dirait, ça tient pas. Ta fraise, elle est tombée. Cette découpe. Pourquoi elle est tombée ? Bah tu vois le kiwi il s'est battu mais il s'est pas assez battu parce que le monde est trop contre lui, du coup il est tombé, voilà. C'est une fraise qui est tombée. Quoi ? C'est une fraise qui est tombée. Allez, on va mettre. Non c'est un kiwi. C'était une fraise qui est tombée, j'ai vu. C'est un kiwi, regarde mec, c'est le kiwi qui est tombé. Parce qu'en fait, il veut pas venir. Mon gâteau c'est un gâteau évolutif en fait. Eh bah ouais. Oh, il évolue de fou là. Il évolue de malade là. Ça a l'air d'être cuit, déjà c'est un bon commencement. Ah merci, c'est plaisir. C'est épais. Miam. C'est pour qu'on puisse manger quand même. Il y en a, ils peuvent pas manger, faut qu'on se régale quand même. C'est bon ou pas ? Ça, c'est la tête de quelqu'un qui se régale, ça. Non ? T'as l'air de kiffer, là ? Ouais. Ok. Et bah. C'est croustillant. C'est quoi ? C'est bon ? C'est excellent ? C'est excellent ? C'est sablé. Non, je comprends en fait l'émotion du gâteau, toi t'es mot de la bouche. Chef, je peux dire quand même un truc, c'est qu'au moment du gong, il n'y avait même pas tout ça. Il avait juste mis la pâte sur l'assiette et il a continué pendant 2 minutes après le gong. Parce que regarde, les kiwis qui galèrent dans la vie, jusqu'au bout, même eux ils n'ont pas de limite. Personne n'y croit à ton histoire de kiwi qui galère dans la vie.
personne n'y croit. Un mois, je l'écris. Il y a un petit arrière-goût derrière, c'est comme un goût amer, en fait, que le kiwi a vécu. Exactement. Ah ouais, exactement. C'est pour ça. Voilà. Ah, il est fort. Il est fort. Allez, on passe à celle de Matt. Ah, tu l'as vite enlevé quand même, direct. T'as pas... Reprends le couteau. Ok. Ouais, mais tu sais, c'était si bon que ça, tu vas prendre une part. T'as vu les petites pointes ? Ouais, non, mais tu sais... en fait, c'est mal poli de tout manger parce qu'après, on a l'impression que quand on est invité, bah, en fait, quand on mange tout, bah, ça veut dire qu'on a encore faim. C'est impoli. Non, c'est vrai, t'as raison. C'est impoli de tout manger. Non. C'est pour ça que j'en mange pas moins, Grim, de la tienne. Ça se fait pas. Ouais. Ah, c'est pour ça, ok. Non, ouais. Je croyais que t'avais pas faim et tout. Non, je vais en laisser pour tout le monde comme ça. Ouais. La cuillère, quoi. Mais la part, c'est la part la moins originale que j'ai vue de ma vie, quoi. C'est vulgaire. En fait, on avait une recette à suivre, Grim. On avait une recette à suivre. Elle avait pas quitté le fardeau. Ah. Bah ouais, bah pourquoi? Non, parce que c'est comme il fallait faire. C'est un sablé de privilégié, t'as fait. Oh, j'ai envie de vomir quand je vois cette tarte. Ouf. Ok. Bah, on va la finir quand même. T'es gourmand. Hein. Regardez comme il est gourmand. Kikel. Burk, bah ouais, on a raison les gars, vous avez raison. Burk. Dans le sablé, je sens ce petit grain de sel. Ah! T'as mis du sel? Bah oui, il faut un peu de sel dans le sablé. Du sel? Il faut une pointe de sel. Bah oui. Ah, sérieux? Oui. Bah les sablés, les palais bretons, il y a un peu de sel dedans. Attends, non, sérieux, il faut vraiment du sel dans les sablés ou pas? Bah des fois, il y en a. Si on veut. On peut. Ok. Tout est possible ici, mec. Ouais. Du coup, alors, ouais. On reprend pour la crème. Yes, I... la crème... La crème? La crème, bah, franchement, elle est bien montée, elle est bien lisse, ouais. Elle a une belle texture. Merci. Il y a eu moyen de faire des belles choses. Et je pense que tu n'as pas été au fond de tes pensées. Et peut-être par manque de temps, par manque d'ambition, par manque de volonté, peut-être. Je sais pas si... Bah quoi? J'ai fait les pointes, j'ai fait les vagues. Ouais. Ouais quoi? Mais je sais pas. Mais par contre, ça, le petit brin... Mais moi aussi, il y a ça, là, le petit brin, la tache de sang, de la guerre et de la violence. Mais là, tu vois, il y a des morceaux, il y a encore les boyaux, tu vois. C'est ça. C'est les tripes, en fait. C'est les tripes. Ah ouais. Ouais. Ça, on dirait que t'as craché le truc que tu as mis tout à l'heure dans le cocktail, en fait. Dans le cocktail, pardon, dans le yop, dans le smoothie. Bah, c'est les aléas de la vie, ça. Ok, Dorian. Bon. La régie me demande de donner une note de 1 à 5 pour chaque plat. On a les 1 à 5. Okay. On a les notes du chat. Et ce sera après que je décernerai et qu'on comptabilisera les notes du chat. Ouais. Afin de faire savoir. Pour info, les notes du chat comptent pour 30%. Ok. Moi, j'ai envie de garder un peu de suspense. Et en vrai de vrai, le sablé, il est quasiment équivalent en termes gustatifs et en termes de technicité et tout. Regarde comme il est épais et là il est fin. Regarde, il est pas droit son sablé. Tu veux quoi, le premier de la classe là? Si je mets une patate dans ton sablé, on va voir s'il est équilibré. Il a abusé sur la levure. Lui ou moi? Non, toi. Ah merde. Après la crème. Bon, il y a une crème qui a monté, pas l'autre. Bah, on a quand même trouvé des solutions. Une crème de tricheur. Il y a toujours des solutions. Les petites fraises, sympa et tout. Moi, je vais mettre la note de. Est-ce qu'on peut mettre des notes ennemies ou pas? Ouais, je pense de 1 à 5. Ouais. Et tu peux mettre des ennemis. Et des 3 quarts? Et des 3 quarts? C'est chiant, mais on peut. Ok, bah moi je pense que je vais mettre. Ouais, je vais mettre 275 pour Grimm. Et les pauvres kiwis qui sont opprimés par la société, tu leur mets 275 aussi? Et les kiwis qui meurent de faim tous les jours, tu leur mets 275? Et 380 pour Max. Parce que en fait, il y a quand même une certaine harmonie, tu vois. Je suis d'accord, toi, c'est encore autre chose. Ouais, mais. J'ai que 1 point de plus! Est-ce que notre monde dehors il est harmonieux? J'ai que 1 point de plus! Tu mériterais même pas un demi-point en plus normalement. Ça représente la table. Est-ce qu'il fallait faire de la merde, fallait me dire de suite, j'aurais chié dans le plat. Ça, moi j'ai fait exactement comme le chef il a dit, j'ai tout fait comme la recette. Mais, eu que 1 point de plus que cette merde! Mais c'était quoi? T'es pas un chef, t'es un imitateur. Si le chef il dit de sauter du pont, tu le fais. Ce qu'il faut c'est mettre un peu de ta patte, un peu de créativité, un peu de magie dans ton plat. T'avais rien mis dans ton assiette au gong! T'avais rien mis dans ton bout de kiwi, dans ta fraise, t'avais rien mis dans ton assiette de merde. Dans mon plat, comme dans la vie. Il a tout fait après la cloche. Et vous lui mettez 2,75. Comme dans les gens. Ça, c'est quoi? C'est encourager les gens à être nuls. Ah ouais? Mais non, mais vous nivelez le monde vers le bas. Comme dans les gens qui se pressent dans le métro pour aller au taf à l'heure. Pas comme toi, hein, monsieur, je prends le Uber pour aller prendre mon petit déjeuner. Le G7.
le van. Toi, tu connais pas ce problème. Toi, le matin, quand faut aller à l'école ou au taf, et qu'il y a trop de monde dans le métro, il faut te grouiller, sinon tu rates, t'es en retard. Hein, bah, c'est pareil, c'est kiwi, c'est fraise sur mon gâteau. T'as pas, t'es en cours. T'as même pas de taf, frère. T'es mon stagiaire, carrément. Ah ouais, c'est vrai. Tu me parles de taf, t'es mon stagiaire. Pardon, chef, pardon, chef. Bon, en tout cas, au vu des notes qui sont quand même assez serrées, mais assez éloignées, on va voir grâce au chat, qui va finalement. On va savoir en fait qui oui, ben on sait déjà, on a vu les notes du chat. Bande de suceurs. Ouais, je suis ils ont mis 5, ils ont mis 5 à lui, ils ont mis 1 à moi. 1. Ils m'ont mis 1. Le chat il m'a mis 1 et ils lui ont mis 5. Je me demande qui va être le gagnant. Des grandes manœuvres, des grandes crèmes de je sais pas quoi là. Dans 6 mois je vais remplir ta convention de stage, tu sais ou pas? Ah pardon chef. Dans 6 mois je remplis ta convention de stage. Non chef. Je vais tout mettre dedans. Tu veux, je vais tout, tout mettre dedans, je vais dire toute la vérité. Frérot, je t'apporte un café lundi. Je veux rien, parle pas avec moi. Oh. Oh oui. Merde, pas de soucis. Là, on a notre trophée. Je vais décerner ce Graal que vous pourrez mettre derrière dans votre studio ou sous votre coussin. Moi, personnellement, si je gagne, je vous l'offre. Je vous l'offre, vous là, derrière. T'es pas obligé de dire quelque chose. Tous ces kiwis là qui galèrent là derrière l'écran, je vous vois. Moi, je suis avec vous, je vous l'offre. Après, vous dites ça peut-être parce qu'il a perdu. C'est un suicide. Non, enfin, je sais pas. Bon. Pas perdu, frère. Équipe rouge, équipe jaune. Comme ça, c'est mieux. Oh, c'est scellé et tout, hein. Eh. Hey. Regarde pas, toi. Deux heures de ma life. Ah, j'ai tout donné au fourneau. J'ai perdu 2 heures de ma life à mettre mes tripes dans ce plat. Maxime, le dénouement, il est c'est pas encore là. Connard du chat, là. Mais. Vous méritez pas Diop. Vous méritez pas Diop. Les notes. Vous méritez rien. Moi. Je vais regarder les donuts en même temps et comme ça je saurai en premier qui c'est qui a gagné. Les donuts sucrés au sucre ? Attends parce que je suis en train de mélanger les notes en fait. Ah bah ouais, ce que j'allais dire, attention quand même ouais. Là. Ok, c'est bon, j'ai le gagnant. Ouais c'est bon. Donnez-moi vos bras. En plus regardez, le timing parfait. Qui c'est qui a gagné ? C'est quoi déjà le titre ? Tiens mille tablier. Ah oui, c'est vrai. Qui c'est qui a gagné ce fameux trophée 2023 ? Tiens mille tablier. Maxime ! Ouais ! Je te baisse ! Voilà, bravo ! Je te baisse ! Avec une note de 3,45. Oui ! 3,15. C'était très serré. Yes ! Non, très serré. Yes ! Yes! Le chat! Allez vous faire foutre, le chat! Allez vous faire foutre, le chat! Non mais là, c'était des simples mathématiques! Yes! Mais il a eu 3,80, t'as eu 1. Tu devrais pas. Ça veut dire que quand même le chat était en ta faveur. Mais ouais, mais attends, parce que lui, attends, il a gagné combien là? 3,45. Tu vas me dire que là, le 1 du chat l'a fait tomber que de 0,60 points? Et toi, 3,15? Ah, pour la note du chat, ils ont pris la note moyenne de tous les votes, pas juste le 1. Mais il y avait 90% de 5. Yes! Le chat. Félicitations. Ça rapporte 0 de sucer. Continuez à sucer. Moi, je repars avec mon trophée. Ça rapporte 0, le chat de sucer. Ça rapporte 0. Yes! Merci à tous. Moi, le chat. Merci, moi, j'ai un message pour vous. C'est moi, de toute façon, moi, ce qui compte. Moi, je suis pas venu pour la victoire, je suis venu pour passer un bon moment. Et j'espère que je vous ai diverti un minimum. Et franchement, là, on est quoi? On est jeudi, demain, c'est vendredi. Tous ceux qui vont en cours demain, tous ceux qui ont des examens, tous ceux qui vont travailler, force à vous demain, vous allez avoir une longue journée. C'est long. Courage c'est à vous. Tous ceux qui ont des examens, des partiels, des entretiens, qui doivent gérer leur famille, des frères, des proches, courage à vous, je suis désolé. J'ai pas gagné, mais. Mais j'ai passé un bon moment et c'est grâce à vous, les gars. C'est grâce à vous. Maxime, il a que pour la victoire et moi, j'étais là. Pour dans une pièce de Molière, carrément. C'est long. Monologue, frère, c'est long. Les gars, c'est long pour rien. Merci pour les cœurs, les gars. Je lance un live ce week-end, si vous voulez. N'hésitez pas à garder vos subs pour ce live. Merci à tous d'avoir suivi. C'était long, le monologue. C'était plus long que la recette, carrément. Merci à tous d'avoir suivi. Merci à Dorian d'avoir été avec nous pour nous donner. Merci à vous, les gars. C'est ça. Alors qu'on a été... vous l'avez donné, quand même. On a été calamiteux à certains moments, non? Bravo Grim, bravo Dorian, on a tout donné. Max, t'es banni, mais bravo parce que. Bravo à toi, Grim. Non, Orvan, tu vois, là je faisais le clown et tout, c'est très beau.
Ouais, mais toi, je dois admettre qu'il y a un certain talent dans le storytelling. Ouais, ouais. C'est pas mal, c'est pas mal. Bravo, Grim, bravo. Merci d'avoir été avec moi, Grim. Merci d'avoir été avec moi, Dorian. Allez suivre Grim, les gars, sur Twitch, sur Insta, sur Twitter. Allez suivre Dorian, sur TikTok, sur Instagram. Le coin du pâtissier. Et moi, suivez la chaîne. Voilà, Maxime, me connaissez. Vous êtes sur place, suivez la chaîne. Abonnez-vous ou suivez Insta. À Maxime. Hey, c'est-vous à Maxime, ça y est, envoyez des subs. Hey, tu vas faire un best-of, ça, ou pas? Je sais pas. Bah si, ceux qui sont sur YouTube, abonnez-vous à sa chaîne YouTube. Oui, il y a un best-of. Suivez son TikTok, suivez son... Merci. Insta pour le GP, il y a plein de choses qui vont arriver sur Insta. Merci à tous d'avoir suivi pour Premier Degré, merci aussi à Yop, on a beaucoup rigolé. Merci Yop, c'était très bien. On s'est beaucoup vanné, mais dans la vraie vie, on est collègues avec Grim, on n'est pas juste ennemis, on est collègues. Non mais tu sais, il y a amis quand même. Voilà, c'est ça ton problème, t'es un peu gourmand. Merci à tous d'avoir suivi. Merci à Steph, merci à Daphné, merci à tout le monde d'avoir suivi. Merci à Yop d'avoir soutenu. Merci. Les trois box vont être reçues, les box de Dorian. Oui, on vous a pas oublié. C'est celle-là. Ou celle-là. Ou celle-là. 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 Et Grim, on peut pas encore le dire. Mais là, il y a deux annonces. Il y a deux énormes annonces qui arrivent. Ah oui. On peut pas en parler encore. Non, aussi, jeudi prochain, on se capte pour les flammes. Jeudi prochain, rendez-vous sur cette chaîne pour les flammes, c'est vrai. On va suivre ça en direct. Très très cool, vous avez en direct du Théâtre du Châtelet. Et il y a deux autres trucs, mais c'est là, c'est le haut niveau. J'ai des chills. Je peux pas dire c'est quoi. I got the goosebumps every time. Oh là là, tu peux même pas me le dire là. Non. Non, il y a une micro. Oh, je suis un ouf. Allez les gars, j'étais avec vous le chat. T'es un ouf. Il a failli choper les infos. Merci encore à Yop, vous le savez, hein, ils nous ont accompagnés, ils nous ont permis de faire cette émission. C'est dispo dans tous les supermarchés. Merci à tous. Merci d'avoir suivi. Ciao, ciao. Merci les gars, à la prochaine. Ciao, à la prochaine. Ciao les gars.